Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence Tous Entrepreneurs. Tous Entrepreneurs a voulu, dans ce contexte un petit peu morose et de sinistrose liée à la Covid, amener un message d'espoir et vous prouver que même en période de crise, on peut entreprendre. Il suffit de faire preuve d'agilité. Tout au long de cette conférence, nous aurons le plaisir d'accueillir des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets qui vont vous parler de l'adaptation nécessaire qu'ils ont dû mettre en place par rapport aux événements sanitaires que nous connaissons depuis 2020. Alors, dans un premier temps, on va commencer par parler du contexte. Alors, effectivement, année 2020-2021 sont frappées et rentreront dans les livres d'histoire, comme étant des années un petit peu noires. Quand ce n'est pas un couvre-feu, c'est un confinement. On n'entend parler que de choses très négatives. Et cela a un impact important sur l'économie. Donc certains secteurs se trouvent durement touchés parce que fermés, comme les restaurants, comme les espaces de loisirs, les accès à la culture. L'État tente d'aider les entrepreneurs au travers de prêts garantis par l'État, mais ce n'est pas toujours facile de soutenir cette activité. Il faut savoir que malgré cette conjoncture, des entrepreneurs sont là, présents, avec leurs projets, peut-être débutés un peu en amont de la crise sanitaire, sûrement débutés en amont de la crise sanitaire. Et vous allez le voir également, des témoignages avec des personnes qui vont utiliser la crise sanitaire pour rebondir et pour pouvoir créer des business models s'appuyant complètement sur les nouvelles conditions de marché de cette crise que cette crise nous a fait connaître. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous parler d'un lancement de création d'entreprise qui a eu lieu en plein Covid. Il s'agit du lancement de l'enseigne Croque-Michel, du doublement étoilé chef Michel Sarran à Toulouse. En effet, on a en tête Michel Sarran pour son gros coup de gueule par rapport au président suite à la fermeture des restaurants, puisqu'il est lui-même lourdement impacté compte tenu de son activité de restaurant gastronomique. Pour autant, il a su rebondir. Certes, ses restaurants sont fermés au public, mais il a créé un business model tout neuf sur un produit sur lequel il avait été un petit peu titillé lors des précédentes années de Top Chef, à savoir son produit préféré, le croque-monsieur. Et il a lancé à Toulouse, en pleine période de crise, Croque-Michel. Croque-Michel, c'est quoi ? C'est une offre de croque-monsieur un peu version gastronomique, comptez à peu près 9 euros pour le croque-monsieur, accompagné de chips très travaillés avec de la vitelotte, des pommes de terre spécifiques, ou alors de laitue braisée. Et le tour de force qu'a réussi Michel Sarran, c'est de lancer un restaurant dans une période compliquée en s'appuyant complètement sur les modes et les canaux de distribution permis malgré la fermeture des restaurants, à savoir du click and collect, de la livraison. Effectivement, ces produits sont disponibles à la livraison et Dieu sait que les quelques restaurants qui proposent de la livraison ou du click and collect tirent leur épingle du jeu à l'heure actuelle. Il faut savoir également que le segment du fast-food en cette période difficile pour les restaurants est en plein essor, puisque ce sont majoritairement les seuls restaurants encore ouverts. Donc, coup de chapeau à Michel Sarran qui a appuyé toute sa communication via les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir sur le diaporama que je vous présente, et qui a pu à la fois utiliser sa notoriété, mais faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour créer ce concept de croque-michel et le lancer en pleine période de crise. Alors, elle n'a pas encore lancé son entreprise, mais c'est dans les tuyaux. Je vous demande d'accueillir Élise Bottivaux qui va nous parler de son concept. Alors, elle se décrit elle-même. Bonjour Élise.
Bonjour à tout le monde. Alors, Élise, vous vous décrivez vous-même comme étant une food entrepreneur, buveuse et voyageuse. C'est ça, c'est une passion depuis très très longtemps. Même si j'ai passé la plus grande partie de ma carrière professionnelle avant ce projet dans l'informatique, dans le digital, dans une grosse société américaine. Donc je ne vais pas trop en parler, mais c'est important dans le cadre de cette intervention, de bien comprendre d'où je viens finalement, parce que Bien les sûr, et c'est compétences l'objectif. acquises, voilà. Donc moi j'ai été salariée pendant plus de 20 ans, cadre dans une grande entreprise, en direction de projet et de produits en particulier. Voilà, et après 20 ans, je me suis retrouvée avec l'opportunité d'un plan social et un projet que j'avais en tête depuis un moment, qui était spécialisé, donc de créer une entreprise spécialisée dans le tourisme gastronomique, particulièrement pour faire des tours et des choses pour découvrir la gastronomie française à des étrangers, notamment des Américains et des Chinois. Donc j'ai entamé une reconversion. Donc j'ai quitté mon entreprise fin 2018 pour donner un petit peu une idée de la timeline. Et j'ai entamé vraiment une reconversion parce que pour légitimer un petit peu ma reconversion dans la gastronomie. J'ai fait l'école Ferrandi, notamment Ferrandi Entrepreneur, hein, un peu de cuisine bien sûr, mais aussi beaucoup d'entrepreneuriat parce qu'ils ont un département pour ça. Alors, J'ai passé vous mon... n'êtes pas sans le Ouais. savoir, on en avait parlé, Élise, que nous sommes nous-mêmes Ferrandi Paris Campus de Bordeaux et que j'ai le Ouais. plaisir d'enseigner le marketing culinaire au sein de cette belle marque. Et je sais à quel point ça peut Voilà. être très porteur le programme cuisine et entrepreneuriat. Donc, ça vous a aidé dans votre projet? C'est ça, ça m'a permis de comprendre mieux les enjeux du marché, alors propre à la restauration, mais au-delà de ça, à tout ce qui va être autour de la food particulièrement et des trucs et astuces propres au métier, bien sûr. Ça a été important. J'ai aussi passé un diplôme d'œnologie. Puisque la gastronomie sans le vin, c'est pas possible. Donc, je me suis formée, voilà, et j'ai passé un diplôme de tourisme. Donc, tout ça en complément d'une formation initiale qui est dans mon cas Sciences Po, relations internationales. J'ai failli d'ailleurs la faire à Bordeaux, et finalement, ce fut Strasbourg pour les questions d'Europe et de relations internationales. Voilà, et donc j'ai quitté ça à la faveur d'un plan social, donc je me suis formée et j'étais sur le point de tester des services et des tours, vraiment un test, n'ayant pas créé mon entreprise à ce moment-là, au moment de la crise du Covid, c'est important, mais de tester des produits avec des Américains en l'occurrence qui m'avaient demandé de faire quelque chose. Autour de la gastronomie pour leurs petits-enfants. Donc voilà. Et puis évidemment, la crise est arrivée. Donc vous comprenez bien que tourisme, gastronomie, américain, chinois, c'est pas le Oui, meilleur c'est les combo. quatre éléments dont on n'a pas Voilà. trop liberté en ce moment, hein. Non, c'est ça. Voilà. Donc là, sincèrement, et c'est important aussi d'ailleurs, quand on est entrepreneur, on fait le yo-yo en permanence. Donc, j'ai profité du confinement quelque part, et je dis vraiment profiter au sens propre, c'est important, pour dire, OK, après quelques jours de panique en disant, OK, je fais quoi? Je retourne dans le digital, puisque ça fonctionne, le digital, on recrute, voilà. Ou tu restes sur cette idée-là. Et puis, j'ai laissé reposer. Mais j'ai fait un peu de lecture, de recherche, suivi un petit peu l'actualité du marché pendant la crise que tout le monde subissait de plein fouet, restaurants, hôtels, aériens, transports, etc. Et je pense que j'ai laissé repasser vraiment les 2 mois du confinement en faisant énormément de lecture et de recherche du marché, de voir comment le marché évoluait. Donc, un, garder informé, même si on est en état de choc, en l'occurrence, hein, avec un vrai obstacle majeur, rester alerte sur comment le marché évolue, ce que les professionnels du secteur vivent, comment ils le vivent, comment ils interpellent les pouvoirs publics, comment ils se positionnent, ce qu'ils lancent, les hashtags tourisme en France qu'on a pu voir naître, etc., sont importants. Et à partir de là, je me suis dit non, moi, c'est une passion. Je me suis dit, c'est ce que tu veux vivre. Hein. Sinon, tu vas renoncer finalement à une part de toi-même. Donc, c'est très personnel aussi. Et j'ai décidé de continuer, mais en repositionnant complètement l'offre et la clientèle. Donc, j'ai laissé tomber
à court terme la question de la clientèle étrangère, puisqu'il n'y en a pas. Hein, le tourisme, notamment à Paris, je suis basée à Paris, mais a chuté de 80%, 80-85%. Donc voilà. En revanche, avec d'abord les mesures des 100 km et la possibilité quand même de bouger. De manière domestique, donc en local, il y a des possibilités pour revisiter, se réapproprier quelque chose de fondamentalement français qui fait partie de notre culture, c'est la Notre gastronomie. terroir. Voilà notre terroir, mais pas que, et aussi tout ce qui va être patrimoine bâti, culturel, ça peut être la musique, ça peut être, alors les festivals, c'est compliqué, mais on peut tout à fait repenser ça. Donc, en ce qui me concerne, la première étape a été vraiment de regarder le marché d'un point de vue local en disant, OK, mes compétences, comment je peux les mettre au service d'un secteur qui aujourd'hui a besoin de renouveler son offre complètement pour pouvoir redynamiser son secteur et éviter de sombrer sur du long terme. À court terme, c'est évident que c'est compliqué, mais de renouveler complètement son portefeuille. Alors, pour bien comprendre et pour nos internautes, donc sachez que vous pouvez réagir et poser des questions en direct à nos témoins dans le chat de YouTube. Vous posez vos questions et je les relayerai. Donc, votre offre à la base, c'était faire découvrir la gastronomie française à des clients étrangers. S'agissait-il de clients particuliers ou des clients entreprises? J'étais partie sur un modèle B2C, même si une distribution était envisagée via des agences qu'on appelle réceptives dans le métier, donc des agences de D'accord. voyage qui sont basées localement, essentiellement, et des comités d'entreprise. Donc ça, il y avait aussi une offre B2B. Donc toute la partie B2C a été complètement laissée de côté pour me focaliser donc complètement sur le B2B. Donc une offre destinée aux professionnels en faisant appel aux compétences que j'avais développées. Lors enfin, dans mon expérience salariée. Donc, c'est vraiment autour du conseil, de la gestion de projet, mais particulièrement tout ce qui va être intégration de services d'acteurs multiples. Et donc, je décline ça, le projet aujourd'hui, il est sur trois axes, mais dédié aux professionnels, qui est comment créer des produits innovants dans le tourisme gastronomique, ou en tout cas qui permettent de remobiliser les locaux, les Français, soit de la région, à redécouvrir même leur patrimoine, et d'accompagner en gestion de projet donc différents acteurs du secteur, que ce soit des hôtels, ça peut être des offices de tourisme, ça peut être du secteur public de la région, ça peut être une chaîne hôtelière qui décide de faire des parcours, en revisitant un petit peu le patrimoine et l'histoire, en ayant comme axe principal la gastronomie. Je peux donner un Un exemple, par exemple? exemple, hein. Oui, tout à fait, Voilà. Élise. Faites-nous rêver, faites-nous Et voyager. voilà, je vais vous faire rêver. Alors, je vais vous faire rêver. Je vais essayer de parler un peu de Bordeaux, même si d'ailleurs, je vais parler plus de deux fois de Bordeaux. Je vais d'abord donner quelque chose qui s'articule autour de l'histoire, autour d'Henri IV à Paris, où très brièvement, Henri IV s'est marié à Saint-Germain-en-Laye, à côté de Paris, et on a le détail du menu et comment il s'est comporté avec Marie de Médicis, son épouse, elle mangeait des œufs, du végétarien. Donc, on peut repartir sur quels étaient les menus de l'époque, comment aujourd'hui on retrouve certaines tendances. C'est intéressant de voir ça. Alors, il y a question de la chasse par rapport à la royauté. Et puis, on peut revenir vers le secteur des halles ensuite, où les halles, pour ceux qui connaissent Paris, c'est vraiment central, et c'est historiquement vraiment tous les métiers de bouche. Il se trouve que Henri IV a été assassiné aux halles. Donc, vraiment, ça permet de C'est un parler. véritable parcours culturel que l'on fait. C'est ça, On ne fait mais à pas que travers la. déguster. Non, ah non, c'est justement l'intérêt, parce que souvent, et ça c'était aussi important pour se démarquer de la concurrence, ce qu'on retrouve beaucoup dans les offres de tourisme gastronomique, c'est énormément manger, manger, manger. Et quand vous avez enchaîné les macarons et les éclairs et les Paris-Brest Les cannelés à avec Bordeaux, les cannelés. alors, les cannelés, mais je vais venir aux cannelés, voilà. Il y a un moment, c'est plus possible. Donc l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre apprendre quelque chose sans que ce soit. Prise de tête, hein. Il faut que ce soit ludique, simple, fun et Pas qu'on une redécouvre classe. l'envie. On est là pour prendre du Ouais, plaisir avant tout, voilà, qu'il soit c'est gustatif ou ça. culturel. C'est ça. L'idée étant aussi de faire des offres qui se positionnent pour tout type de public, c'est-à-dire des publics passionnés et qui ont des moyens à terme, hein, parce que c'est du B2B2C le modèle.
pour les offices de tourisme, mais aussi pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Se promener aux Halles, ça coûte pas cher. Moi, j'ai aussi à cœur de développer des offres qui sont accessibles à différents publics à terme. Donc, ça, c'est important. Et puis, pour revenir à Henri IV, on peut envisager dans ce cas-là, alors la poule au pot, bien sûr, mais aussi les dégustations de Bordeaux, parce que le Bordeaux, le Bordelais s'est beaucoup développé grâce à Henri IV. Alors, je ne sais pas si les internautes et les gens de la région de Bordeaux le savent forcément, mais c'est une technique hollandaise que Henri IV a importée à Bordeaux pour assécher les marais, pour pouvoir développer la vigne là-bas. Donc, on peut, à partir de cette histoire-là, décliner tout un pan de notre identité gastronomique et historique qui rend les choses un petit peu intéressantes. Ça, c'est un exemple. On peut aussi partir sur la route du Rhum entre Nantes, Bordeaux, Martinique et Guadeloupe. Alors ça fait appel à du voyage, mais si on reste sur Nantes et Bordeaux, on peut aller sur le gâteau nantais, les cannelés qui intègrent le Rhum. Et le Rhum est directement lié à l'histoire de l'esclavage, du triangle. Voilà. Donc voilà, c'est un peu l'idée. C'est avec en partenariat donc avec des universitaires. Donc je travaille avec ça, évidemment, des gens pour avoir des conseils spécifiques, mais supporter, aider à développer des produits, donc c'est la création. Et d'un autre côté, fédérer les différents acteurs, puisque ça, c'est ma spécialité dans la gestion de projet, comment on travaille avec différents entrepreneurs dans un écosystème, finalement, comment on fait vivre ça sur un objectif commun, avec des processus qui sont particuliers. Et le troisième axe est vraiment dédié aux entreprises, qui est là, plus de l'offre clé en main, comme je viens de vous décrire. Et c'est important, donc comment je me suis saisie de la situation Covid et du marché avec la question du télétravail qui se développe. On est là, bon, j'aurais adoré venir à Bordeaux Et vous nous parler. aurions adoré vous Voilà. accueillir. Malheureusement, c'est une visioconférence. Voilà, et justement, je pense qu'avec le télétravail qui va se maintenir, les entreprises auront besoin pour la culture d'entreprise ou des équipes à certains moments de retrouver de la convivialité et de créer des moments un petit peu originaux. Donc, je travaille sur des offres un peu clés en main pour des entreprises sur leur secteur. Par exemple, sur des choses entre la parfumerie fine et la mixologie, c'est-à-dire les cocktails, pour Les travailler sur cocktails, les oui. arômes. Voilà, sur travailler sur les arômes et comment l'arôme, par exemple, de la rose va être décliné dans certains cocktails et comment elle est déclinée en parfumerie. Donc, plus des correspondances à valeur ajoutée pour des professionnels qui s'intéressent à quelque chose et qui ont quelque chose en commun. Donc, voilà un petit peu l'étendue. On est sur trois axes, créer, fédérer et partager, parce qu'on est dans l'idée du partage, dans un B2B. Et donc, voilà un petit peu où j'en suis Votre pour avoir repositionné. repositionnement, en fin de compte, Élise. Pour moi, ça a été un repositionnement et finalement, je vais être extrêmement positive. Finalement, j'ai trouvé le projet que je souhaitais faire et qui me correspond le plus Plus que le parce projet qu'avant, initial, Élise. presque parce que j'ai toujours à cœur de faire Super. partager et je pourrais le faire pour des Américains ou des Chinois. Enfin, j'ai aussi des projets sur cet axe-là à plus long terme, hein, un peu différents, mais plus en allant là-bas en l'occurrence. Mais finalement, c'était quelque chose et c'était un petit peu saturé. J'ai pas envie de dire saturé parce qu'il y a de l'espace, mais en termes de valeur ajoutée, je trouve que c'est plus intéressant pour moi de mixer toutes les compétences acquises, ma passion pour la gastronomie et le vin et l'histoire et la sociologie, les relations internationales, la diplomatie, parce qu'on peut être aussi, et là je ne sais pas si vous avez suivi, mais Guillaume Gomez quitte les cuisines de Les l'Élysée. cuisines de l'Élysée, eh oui. Voilà. Donc, pour rejoindre le Quai d'Orsay, et voilà, donc j'ai à cœur aussi de pouvoir supporter ce type de d'initiative à l'étranger avec mes compétences et puis mes langues et mon amour de la gastronomie et de l'histoire et de notre beau pays. Voilà. Mais écoutez, Élise, vous nous avez fait voyager. Alors, on a bien compris que Covid, pour vous, a résonné avec repositionnement de l'offre. On a également compris qu'après un petit moment de stupeur, vous l'avez évoqué, vous étiez pile poil dans des secteurs d'activité qui étaient complètement à l'arrêt. Comment fait-on quand on est jeune entrepreneur? Eh bien, en fin de compte, on se réinvente, on rebondit. Un point très intéressant que je tiens à souligner, vous avez dans un premier temps analysé votre environnement, vous avez été en veille
de savoir qu'est-ce qui se faisait et comment les secteurs impactés réagissaient. Et je pense que ça vous a nourri, ça également. Absolument, c'est fondamental. J'ai eu beaucoup de lectures. Alors, il y a le marché, bien sûr. Et puis, ça m'a donné l'occasion de pousser mes recherches, notamment sur les Nations Unies, l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, où il y a énormément de documents de recherche. Alors, bon, j'ai la chance de parler anglais parfaitement, donc Vous d'avoir êtes accès à fluent des English. documents. Yes, I am. Et donc voilà, donc j'ai poussé un peu plus les recherches et finalement retrouvé ce que j'étais venue chercher dans mes études de départ, c'est-à-dire Sciences Po, relations internationales, je m'étais spécialisée en politique culturelle ensuite, donc finalement retrouver le cœur de mon engagement de départ et tout en ayant la touche digitale aujourd'hui qui est quand même fondamentale, quoi. Voilà. Alors, Élise, moi aussi j'ai beaucoup lu, et j'ai lu sur vous notamment. J'ai lu dans une de vos interviews que vous aviez profité des changements futurs pour s'y adapter. Donc là, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir ben, les entreprises qui vont avoir besoin suite au télétravail. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de cette perception des changements futurs et de l'adaptation que vous comptez en faire? Oui, le télétravail, j'ai un peu envisagé. Donc là, c'est plus pour des équipes de salariés, d'entreprises. Alors, pas tout type de secteur. Il y a des secteurs qui ont, j'ai envie de dire, plus d'appétit pour la gastronomie. Mais donc, tout ce qui est effectivement télétravail qui va rechercher de la convivialité ou des DRH, donc on est vraiment dans les ressources humaines qui peuvent avoir le besoin de renforcer leur culture d'entreprise autour de projets conviviaux. Il y a cet angle-là. Il y a aussi un aspect qui est pour moi tout ce qui va être multiculturel, c'est-à-dire comprendre l'autre, même à distance, c'est-à-dire le voyage culinaire. Pour des entreprises qui, par exemple, et notamment des PME plus que des grandes entreprises, mais des PME qui travaillent avec la Chine, de comprendre comment négocier avec des Chinois. Donc, c'est très pratique aussi, hein, mais en On situation le voit réelle, également dans les c'est-à-dire autour. techniques de vente, vous l'abordez d'un point de vue culinaire et culturel. C'est-à-dire autour de la table, alors évidemment quand on pourra, Exactement. là c'est pas vraiment possible, mais autour de la table chinoise, comment négocier avec des Chinois, comprendre les protocoles de la table chinoise et la négociation autour de la table. Et on le sait, bon évidemment on se dit, ok, est-ce qu'il faut planter les baguettes dans le riz, pas dans le riz, comment on fait, est-ce qu'on peut manger avec les doigts? Il y a tout ça un petit peu pratique, mais au-delà de ça, il y a des choses comme nous, on peut avoir des protocoles un peu. Dès qu'on est en diplomatie ou en tout cas dans des événements un petit peu Des convenus. conventions qui nous sont propres. Voilà, alors en Chine, être placé devant une porte, près d'un tableau, tout ça a un sens et de faire intervenir effectivement des Chinois pour pouvoir parler de la négociation, donc éviter les confrontations pour ne pas faire perdre la face, des choses qui sont connues, mais comment fait-on? Et tout ça autour de la table pour que ce soit un moment à la fois utile et convivial. Donc ça, c'est aussi un autre axe que j'explore pour le futur. De manière beaucoup plus propre à l'industrie et à l'industrie gastronomique en particulier, il y a des choses qui sont peu connues dans les terroirs aujourd'hui. C'est plus autour du savoir-faire hein, technique que la France a et l'innovation. On a par exemple dans le vin, parce que souvent quand on dit OK, tourisme gastronomique, on va faire la route des vins dans la région Oui, des lieux bordelaise ou communs, on va dire, l'Alsace. des choses faciles d'accès. Voilà, des choses qui existent et qui existent depuis longtemps. En revanche, ce qu'on sait moins aujourd'hui, c'est qu'il y a un énorme travail fait par les vignerons sur des nouvelles espèces de vignes hybrides en vin nature ou en biodynamie, donc vraiment sur du tourisme durable, mais aussi du tourisme professionnel, technique. Donc il y a aussi des possibilités quand on sort un petit peu de son champ, je dirais facile, et c'est là où le Covid m'a poussé à aller au-delà de cette espèce de premier rideau, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire avec dans l'innovation, autour de l'innovation de la vigne et de goûter ces nouveaux vins, ces nouvelles espèces. Ça se fait aussi pour les pommes, par exemple. Donc, le Val-de-Loire, en l'occurrence, est très, très à la pointe sur tout ce qui va être vigne. Et donc, là, c'est plus travailler aussi sur la question de l'innovation. Voilà. Mais évidemment, on ne peut pas partir, et j'allais dire, c'est aussi extrêmement important quand on est entrepreneur, et moi je suis actuellement seule dans le sens, et je pense que les autres intervenants peut-être également, on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut hiérarchiser. On ne peut On dit pas. souvent qu'un entrepreneur est un couteau suisse. Il faut quand même savoir être un petit peu touche-à-tout
Maintenant, selon la taille de la structure et les ambitions, on peut s'accompagner effectivement d'une équipe. Dans votre cas, Élise, vous êtes seule et donc ça veut dire C'est ça. être sur tous les fronts en même temps. Donc c'est ça, et ça veut dire hiérarchiser. Donc tout ce que je vous dis là sont des axes de développement et de réflexion que je pourrais développer plus ou moins vite en fonction des partenariats envisagés. Mais pour le départ, on est vraiment sur l'axe du développement produit et des produits un peu clés en main autour du patrimoine et de l'histoire, hein. Mais contribuer également à tout ce qui peut être institutionnelles et discussions de politique publique autour de la gastronomie. Les relations internationales en particulier font aussi partie des échanges multiculturels dans les deux sens, fait évidemment partie de ce que je scrute avec attention. Alors dites-nous, Élise, maintenant qu'on a bien appréhendé votre offre, est-ce que vous pourriez nous dire à quel stade vous en êtes de votre lancement d'entreprise? Et est-ce que le Covid a donc retardé ce lancement? Alors mécaniquement sûrement, puisque vous avez dû repositionner votre offre, mais est-ce que du coup, vous pourriez nous informer de l'état d'avancement de votre projet actuel sur cette offre locale et ultra-locale? Oui, alors au moment de la crise, je n'avais pas ni déposé de marque, de statut, où l'entreprise n'était pas créée. Donc c'était une chance pour moi, dans le sens où je n'avais pas investi financièrement. Et donc ça, contrairement à d'autres qui ont subi financièrement de plein fouet cette crise, ça n'a pas été le cas pour moi. Ça a retardé ma mise en route, mais comme je le disais, ça a été bénéfique. Aujourd'hui, j'en suis vraiment à une semaine, 2 semaines de déposer, de créer la société. Donc voilà. Alors, Donc j'y nous avons suis. la chance de vous avoir en interview vraiment sur le fil. Là j'y suis. Donc dépôt de capital social, enregistrement au registre commerce et société, etc. Et puis charte graphique quasiment terminée. Et voilà, donc je démarre le site web pour avoir très vite quelque chose. Et je suis beaucoup dans une étape qui est le début vraiment parce que pour moi, c'est une vraie reconversion. C'est-à-dire que je viens vraiment d'un métier très différent. Donc, de créer un réseau aussi, de contacter les gens qui s'intéressent et les professionnels qui s'intéressent à ce sujet pour pouvoir travailler ensemble ensuite et puis développer mon offre évidemment en parallèle. Donc, j'en suis là, j'en suis vraiment à Alors, la création au point zéro de l'existence effective enfin, de au l'entreprise. point zéro de l'existence effective, mais il y a tout le business model qui a été fait, et c'est souvent la partie immergée de l'iceberg, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile à trouver une offre qui tient la route, qui correspond à une véritable demande de la clientèle. Vous savez quoi, moi, Élise, au travers de ce que vous me dites, la première approche, à savoir faire découvrir le patrimoine culturel et gastronomique aux étrangers, avait quelque chose pour moi de peut-être un peu plus déjà vu que votre seconde offre, qui va permettre à des personnes qui vont voyager à l'étranger plutôt que de découvrir leur terroir, d'approfondir leurs connaissances. Moi, honnêtement, je suis cliente. Bon, eh ben parfait. Alors, Vous n'oubliez pas de restons en m'envoyer votre contact. catalogue dès que vous aurez mis en place Absolument. votre catalogue. Absolument. Et Alors, je voulais j'invite juste nos assurer. internautes à réagir dans le chat. Je vais juste ajouter quelque chose, Marion, parce que Oui. c'est important. J'ai été aussi, je me suis fait accompagner, et ça, Ah, il très faut bien. chercher aussi de l'accompagnement. Je pense qu'il ne faut pas rester seul, même crise ou pas crise d'ailleurs. Alors dans mon cas, je suis accompagnée par l'association Force Femmes, D'accord, qui favorise l'entrepreneuriat au féminin. Oui, des femmes de plus de 45 ans, parce que croyez-le ou non, mais voilà. Et j'encourage vraiment à rechercher, après, selon son profil, de l'accompagnement. Les chambres de commerce, d'ailleurs, accompagnent très bien les créateurs d'entreprises, mais également certaines associations. Donc, surtout, ne pas rester seul. Réseau d'entrepreneurs, du secteur ou pas. Et associations diverses sont aussi des supports fondamentaux en ces périodes de création en général et de crise en particulier.
Vous parliez tout à l'heure de réseau. Alors, l'accompagnement fait partie du réseau entrepreneurial. Il faut effectivement se faire appuyer, quelle que soit la structure, que ce soit la CCI, les chambres des métiers, ou alors des associations comme les premières, qui également favorisent l'emploi au féminin, ou des associations comme la Caisse sociale de développement local. Donc, tout un panel d'organismes qui sont là pour vous aider et vous appuyer dans la création d'entreprises. Concernant le réseau, est-ce que vous avez pu vous appuyer sur la caution de votre formation? Puisque, en passant par Ferrandi, pour y enseigner, je sais qu'on est amené à rencontrer des personnes du secteur qui peuvent faire office de caution par rapport à votre projet. Qu'en a-t-il été dans votre cas, Élise? Oui, alors j'en suis un petit peu au démarrage par rapport à ça avec le repositionnement, mais j'ai effectivement tout un groupe de alumni Ferrandi avec lesquels j'échange régulièrement, des groupes WhatsApp notamment, où on peut tester à la fois les idées, mais aussi tout ce qui va être autour de l'entreprise, charte graphique, positionnement, éco, de gens du métier. Donc, qui donne des retours. Concernant les chefs, là, c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc plutôt après, mais j'ai bon espoir d'être en contact avec Guillaume Gomez que j'avais rencontré à ce moment-là, donc voilà, et de rééchanger prochainement sur la question internationale, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Par exemple, ça, mais c'est aussi le tourisme, hein, j'avais fait. Après, j'ai fait une école de tourisme également, ou l'œnologie. Donc, et conserver ces réseaux-là, les contacts, bien sûr, amicalement, et puis au niveau tester ses offres, poser des questions. Voilà, être entrepreneur, c'est aussi parfois beaucoup douter, et c'est sain parce que on n'a pas toutes les réponses, et c'est important de se confronter aussi au regard des autres pour pouvoir valider et choisir, parce que l'entrepreneuriat ensuite. C'est choisir et décider. L'exercice de charte graphique est d'ailleurs assez intéressant pour ça, c'est-à-dire que les goûts et les couleurs, les goûts Ah et les oui, couleurs, on a quelquefois une c'est vraiment idée qui fondamental. nous est propre, Voilà. mais il faut plaire aux clients. Voilà, donc c'est intéressant tout ça et c'est fondamental d'aller se confronter effectivement à ses pairs hein, et en termes de soutien et en termes effectivement de consultation régulière sur les différents points du projet. Mais j'ai été business model également, enfin vraiment tous les aspects du projet. Ouais. Ben écoutez, Élise, merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, vous nous avez prouvé que en phase de toute première phase de lancement d'entreprise, certes, il y a un petit retard à l'allumage, mais dans tous les cas, on se réinvente, on se repositionne et on souhaite plein de bonnes choses à votre future structure dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent. Vous Oui, restez je avec nous, on va tiendrai au courant. maintenant accueillir Yemsel. Alors, Yemsel, qui nous a rejoint, va nous parler, quant à lui, de Bonjour. réinventer son travail. Bonjour, Yemsel. Bonjour Marion. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Ok. Bonjour et merci de m'accueillir. Donc, parler de réinventer son travail, vous voulez que je vous parle de mon projet ou que je vous fasse Alors, une... pourquoi point work ou alors perspective EO, puisqu'on a déjà changé l'appellation. En fin de compte, vous allez nous expliquer quel est votre business model et en quoi le Covid a impacté votre lancement et comment vous vous y êtes adapté. Ok, très bien. Mais du coup, c'est bien que vous parliez de ce changement de nom et d'identité, parce que justement, c'est le Covid. Enfin, je dis pas que le Covid en est responsable, mais donc je m'appelle Yemsel Bougarach. J'ai créé Perspectiveo, qui s'appelait Pourquoi Point Work en 2019. Donc, je l'ai créé en 2019, et avant ça, j'ai fait du conseil et de la formation et de l'ingénierie pédagogique au sein de grands groupes, un peu comme Élise. Mais bon, avec une carrière plus courte par rapport à Élise. Mais voilà, donc j'ai quand même vu l'entreprise et j'ai travaillé au sein de différentes entreprises. Après, donc, avant de créer Perspectiveo, j'avais eu une première expérience dans l'entrepreneuriat social. J'avais créé une école de l'engagement avec trois autres personnes que j'avais rencontrées au cours d'une campagne politique, parce que j'ai fait un peu de politique, je me suis un peu perdu Vous en êtes un touche-à-tout? politique. Non, on ne se perd pas, on capitalise de l'expérience. Oui, bien sûr, non, mais je rigole quand je dis que je me suis perdu, mais c'est que j'assume plus le côté politique parce que bon, ça me plaît plus beaucoup et j'ai complètement arrêté d'ailleurs toute activité politique depuis
depuis le premier confinement, ça m'a un petit peu remis les idées en place sur ce qui est important et ce qui l'est pas. Bref, mais donc, ce que je veux dire, c'est que donc Perspectiveo, pourquoi Pondwork? Donc, c'est un organisme de formation qui fait du bilan de compétences essentiellement. On développe également en ce moment des formations en création d'entreprise. Et donc, je travaille avec trois autres psychologues. Et j'ai moi-même repris des études de psychologie à distance que je fais en parallèle. Ça me permet de faire ma formation continue. Et c'est une décision que j'ai prise suite au Covid parce que, en ayant créé cette entreprise, je me suis demandé finalement, c'est quoi le cœur de métier de ce qu'on fait? Et si la civilisation devait s'effondrer et que ce n'était pas une entreprise, mais un simple métier, quel métier je ferais? Et là, je suis vraiment revenu aux fondamentaux en me disant, bah, en fait, c'est le métier de psy. Mais alors que même si le bilan de compétences n'est pas vraiment une thérapie, même pas du tout, mais il y a quand même cette compréhension de l'humain, cet accompagnement qui me plaisait beaucoup. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment revenu aux fondamentaux et c'est ce que m'a permis, ce que m'a poussé à faire cette période de crise. Et pourquoi le nom a changé, donc de pourquoi Pondwork à Perspectiveo? Parce que pendant le premier confinement, j'ai choisi ce premier nom pendant le premier confinement parce qu'on était vraiment dans une quête de sens que je percevais, que je autour du Exactement. pourquoi. Pourquoi ce travail donc, hein? Exactement. Et qui était déjà préexistante avant. Mais pendant ce premier confinement, quand même, je sentais vraiment un côté pourquoi, un côté un peu encore presque euphorique, j'ai envie de dire, de la situation, parce que les gens n'étaient pas habitués à ce type de. À ce type de. Voilà, on regardait encore le côté positif. Je pense qu'aujourd'hui, à l'aube du troisième, peut-être, on est plus Non, dans non, ne la. dites pas ça, vous allez nous casser le moral. Moi, je veux porter un message d'espoir aujourd'hui. Vous avez raison. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ça. Je pense qu'aujourd'hui, alors, ce n'est pas uniquement pour cette raison que j'ai changé le nom, mais pour moi, je pense que la perspective, l'idée d'avoir des perspectives, même si le sens reste très important, mais ça ne suffit plus, je pense on souffre d'un manque de clarté et de Et perspective de pour le coup. visibilité. On manque de perspective à l'heure actuelle. Donc, vous Voilà. nous redonnez ça au travers de votre entreprise. Et donc voilà, donc pour moi, je pense que ce que peut offrir la formation, il y a énormément d'enjeux autour de la formation, et je suis en parallèle enseignant dans des organismes de formation pour former des ingénieurs pédagogiques, donc je fais ça à côté, et je vois l'engouement qu'il y a autour de la formation parce que les gens perçoivent qu'il va y avoir de gros besoins, et je pense que justement, des choses que peut apporter la formation et que peuvent apporter tous les programmes de formation, c'est de permettre aux gens d'inventer de nouvelles perspectives pour l'avenir, quoi, parce qu'on va vraiment en avoir besoin et il va falloir tout réinventer. Donc voilà, c'était une longue Alors, on a présentation. besoin. Non, non, mais j'entends tout à fait. Donc, une fois de plus, j'invite nos internautes à réagir s'ils ont des questions dans le chat. À l'heure actuelle, nous manquons drastiquement de perspectives, quelles qu'elles soient, personnelles, professionnelles, loisirs. On n'arrive plus à se projeter. En parallèle de ça, le contexte Covid a laissé, entre guillemets, sur le carreau certains d'entre nous. Soit c'est du chômage partiel et donc une inactivité à la maison. Et là aussi, il faut redonner du sens. Certains ont vu leur activité péricliter et se retrouvent au chômage. Donc, je trouve que votre entreprise fait sens dans ce contexte. Avez-vous bénéficié de par le Covid? Parce qu'il faut en tirer quelque chose de positif. C'est l'objet de cette conférence aujourd'hui, de voir que le Covid n'a pas amené que des choses négatives, mais qu'on peut se réinventer, on peut s'adapter et faire preuve d'agilité. Est-ce que ça vous a amené mécaniquement plus de clients, le fait de personnes qui ont cherché à redonner du sens à leur carrière, se poser parce qu'ils avaient le temps, peut-être. Est-ce que ça a eu un impact sur votre activité? Alors, je ne dirais pas que j'ai plus de clients. J'ai des clients différents. Et justement, c'est aussi pour ça que l'identité change. Si vous voulez, avant le Covid, il y avait beaucoup de demandes sur du bilan de compétences, de la reconversion, parce que les gens étaient dans un besoin de plus de sens, plus de plaisir dans le travail, un besoin de changer, mais qui était souvent un besoin de personnes qui avaient énormément de choix. Et qui n'étaient pas vraiment dans des problématiques par rapport au fait de trouver du travail. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, les gens sont moins enclins à prendre de risques et on a quand même des demandes qui sont différentes et qui sont plus sur l'accompagnement à éventuellement de la reconversion, mais avec moins ce côté on va prendre tous les risques on va quitter son job, on va démissionner du jour au lendemain. C'est plus vrai sur la création d'entreprise.
Mais sur le changement de carrière, les gens sont aujourd'hui beaucoup moins enclins à changer comme ça du jour au lendemain de métier, et ils ont raison. Nous, enfin pour le coup, ce qui a changé dans notre approche, c'est qu'on est beaucoup plus regardant sur les personnes qu'on accepte en formation. On n'a pas envie d'avoir de pousser des personnes à démissionner et qu'elles se retrouvent en pleine. En fait, on est dans une situation économique où, sauf si, alors, sur les projets de création d'entreprise, je mettrai un bémol parce que il y a toujours des opportunités en termes de création d'entreprise. Mais par contre, sur les changements de carrière, je mettrai un bémol. On a beaucoup de responsabilités dans notre travail. On ne peut pas pousser les gens à démissionner parce que c'est complètement irresponsable de le faire dans un Notamment contexte dans aussi. cette période qui est compliquée Voilà. économiquement. Et donc, c'est difficile d'être dans un. Parce que nous, on est dans une approche où on aide les gens à imaginer, à rêver, à s'autoriser à rêver les possibles. Et c'est un espace où on est. Enfin, par moment, on remet un peu du réel, mais on essaie aussi d'oublier le réel pour s'autoriser à rêver. Mais c'est quand même très difficile de le faire dans le contexte actuel. Et on va pas pousser les gens à se jeter dans le vide dans un contexte si incertain. Par contre, sur la création d'entreprise, clairement. Je pense qu'il y a, enfin, nous, par exemple, pour parler de notre exemple, au départ, on voulait faire des formations en présentiel parce qu'on y croit beaucoup. Et finalement, on a été obligé de tout faire à distance. Le Covid pour le coup, a été un énorme accélérateur de ce point de vue-là. Et tous les organismes financeurs aujourd'hui sont OK avec le distanciel. Ça pose aucun problème. Ça pose plus aucun problème à personne. On a eu pas mal de demandes parce qu'on travaille avec des entreprises et deux organismes de formation sur de l'accompagnement justement sur le distanciel. On fait de la formation en ingénierie pédagogique avec d'autres partenaires. Et sur ces formations-là, il y a eu un boom parce que l'ingénierie pédagogique, qui est un sujet qui mêle les contraintes de la formation professionnelle, de la pédagogie, mais aussi du distanciel, il y a eu énormément de demandes. Donc clairement, ça a ouvert des opportunités et des nouveaux secteurs d'activité qui étaient où il y avait encore de l'hésitation. Parce que toute la difficulté, c'est quand même de savoir et de se demander est-ce que c'est Covid, est-ce que c'est le Covid qui fait que ces opportunités sont là, ou est-ce que ça va s'inscrire sur la durée? Donc c'est pour ça que la difficulté, c'est qu'on peut pas être dans Oui, en fin de une. compte, c'est de jauger l'effet Covid. Est-ce C'est ça. qu'on part sur un nouveau schéma économique sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous, en tant qu'entrepreneur, pour développer votre offre? Ou alors est-ce que ça va être des offres ponctuelles sur lesquelles vous allez pouvoir travailler uniquement le temps où nous serons confinés, couvre-feu et ainsi de suite? C'est ça que vous voulez dire? C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est difficile d'investir sur des opportunités, de se dire on va faire que ça et on va. Parce qu'en fait, on est dans un système où on se dit. Mais vous voyez, en plus, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que avant confinement, j'avais une certaine typologie de clients. Pendant le confinement, j'avais une autre typologie de clients. Pendant le couvre-feu, c'est un mix entre les deux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un truc un peu cyclique où les besoins et les demandes ne sont pas exactement les mêmes d'une phase à l'autre. Et on se rend compte qu'en fait, il faut être capable de se réadapter à chaque fois. C'est dans chaque position, il faut vraiment être assez souple et être capable de s'adapter à chaque fois. C'est très difficile de se dire, OK, il y a pas mal de demandes sur ce sujet-là. Je vais investir toute mon énergie, toutes mes ressources sur ce sujet. Oui, mais en fait, quand la situation reviendra à la normale, est-ce que les gens vont continuer à vouloir autant? Alors, c'est surtout une question de degré, hein, parce que je pense qu'il y a des choses structurelles qui ont changé, qui vont s'inscrire sur la durée. Mais après, la question, c'est est-ce qu'il y aura autant de télétravail, par exemple? Est-ce qu'il y aura autant de formations en distanciel? Est-ce que les gens ne Oui, vont pas est-ce que avoir ça autant va d'alerte? s'inscrire dans la durée? Tout à fait. Est-ce que les gens vont pas faire à l'inverse une allergie? Est-ce qu'ils vont pas se dire, moi, j'en ai marre de mon PC? Moi, à la fin de la journée, quand on me propose un apéro Zoom ou quelque chose à 20 h, bah, moi, Avec un j'en peux ordinateur, vous êtes un peu allergique? plus. Ah oui, je sais pas pour vous, mais moi, j'en peux plus. Heureusement que vous m'avez proposé Mais ce non, mais non. webinaire. Alors là, je vous rejoins complètement. C'est sûr qu'après avoir passé 8 heures face à son ordinateur, c'est difficile de se dire que notre vie sociale va s'organiser devant un ordinateur. C'est certain. Maintenant, la situation est c'est particulier et voilà. Alors, Élise réagit en disant que l'apéro, c'est avec elle. Ah, les masques tombent. Alors moi, j'ai des questions de nos internautes. Votre structure est lancée IMSEM depuis 2019, vous nous disiez. Est-ce que la crise de Covid a rallongé le temps d'atteinte du point mort par rapport à votre activité? Est-ce que vous dégagez des premiers bénéfices Oui. malgré la crise ou pas?
Oui, alors, donc moi, comme je vous disais, après, je veux pas, moi, d'un point de vue moral, je trouve ça problématique de vouloir absolument vendre des formations en reconversion dans le contexte actuel. J'aimerais bien que ça se calme et On qu'on ait entend plus bien de... votre bienveillance, c'était tout à votre honneur, hein, Yemselb. Moi, ça me pose problème. Donc, du coup, c'est pour ça que je travaille avec des partenaires beaucoup plus. Aujourd'hui, on a développé l'offre autour de partenaires B2B avec sur des formations, notamment en ingénierie pédagogique. Et on fait aussi des accompagnements sur de l'ingénierie pédagogique auprès d'entreprises, d'organismes de formation. On a travaillé pour l'École des Ponts et Chaussées, par exemple. Et donc, le point mort, enfin, on arrive à l'atteindre, mais grâce à la clientèle B2B qu'on a, qui, elle, a un regain de demande aussi. Mais disons qu'on ne comptait pas développer une activité B2B aussi importante. Et finalement, c'est quand Ça même... s'est présenté. Ça s'est présenté et on peut pas refuser des clients. Donc voilà. Donc du coup, ça n'a pas ralenti, ça a juste changé la structure de revenus, quoi. C'est-à-dire que on s'est réadapté, on a fait vraiment vraiment des choses assez différentes en restant sur le cœur de métier qui est la formation, mais on a quand même fait pas mal de choses assez différentes. Et après. En termes de coûts, évidemment, les choses sont différentes puisqu'on fait tout à distance. Si on avait pris des locaux, ça aurait été, évidemment, on aurait pris plus de temps pour atteindre le point mort. Donc, si vous voulez, Bien sûr. on a adapté nos structures de coûts. Dès qu'on a vu le Covid, on a arrêté tous les coûts. Enfin, on a vraiment, on apprend à travailler de façon très, 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 très frugale, on va dire. Il faut apprendre à faire tout soi-même. J'ai dépensé pour le nouveau design qui est en cours de finalisation perspectiveo.fr. Donc j'ai dépensé 2 000 € pour refaire tout le design du site auprès d'une designer qui est géniale, mais j'ai mis un an à dépenser, enfin pour dépenser cette somme sur le design, qui est pas une somme énorme, mais on l'a, enfin vraiment on l'a pesé cette dépense et on regrette pas du tout, mais voilà. Et avant ça, on avait tout fait nous-mêmes. Donc, il y a aussi ça qui est important. Je pense que dans ce contexte, le contexte actuel favorise beaucoup les personnes qui sont sur des métiers où elles sont capables de tout faire elles-mêmes. Si vous êtes sur un métier où vous êtes obligé de recruter des gens qui vont travailler à votre place, je pense que ça dépend du secteur, évidemment, mais je Les pense que c'est beaucoup. charges vont être bien plus lourdes. Les charges sont bien plus lourdes et c'est plus difficile de se réorganiser. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là et la capacité à faire soi-même. Et voilà. Alors une fois de plus, moi je trouve que votre changement de nom, autant le premier était déjà bien impactant, je suis formatrice marketing à la base, mais le deuxième, je trouve que dans un horizon sans perspective, Perspectiveo, c'est pas mal quand même, hein. J'ai une autre Merci. question de nos internautes. Donc, votre business model reposait-il dès le début sur une offre en ligne? Et du coup, on peut organiser sa formation en télétravail maintenant? Oui, alors aujourd'hui, tout est en ligne et je ne sais pas si on fera du présentiel un jour. J'espère, j'aimerais bien, mais aujourd'hui, tout est en ligne. Oui, toutes les formations sont en ligne, c'est en télétravail exactement. Enfin, après, ça dépend de l'employeur. Si c'est autofinancé, c'est sur le temps personnel. Si c'est organisé au sein de l'entreprise et en partenariat avec l'entreprise, là, c'est sur le temps de l'entreprise. Mais sinon, après, c'est aussi possible de s'arranger avec son manager pour le faire entre midi et deux. Mais on a des formations qui peuvent se caler pendant la pause déj, en soirée, même le week-end. Donc, ça va dépendre. Il y a des salariés qui aiment bien le mettre sur leur temps de travail. Donc, ça c'est là où ça devient difficile parce qu'il y a une négociation avec l'employeur, mais quand c'est pas sur le temps Bien de sûr. travail, le salarié peut s'organiser comme il veut, surtout si c'est financé avec son compte personnel de formation ou avec son OPCO. Là, de ce point de vue-là, il y a vraiment une liberté sur l'organisation de la formation. Et oui, c'est après on essaye en fait ce qu'on essaie de faire à terme, ce qu'on va essayer de faire, c'est il n'y a pas beaucoup de gens qui le font en réalité, mais on va essayer d'aller vers un format un peu plus blended. Le blended, c'est un mix entre le présentiel Oui, et le mix. distanciel. Parce que je pense que moi, justement, j'ai travaillé avec l'École des Ponts et avec l'École des Ponts, on s'était rendu compte que certaines de leurs formations, parce que eux, c'est des pros du présentiel, ils sont très bons sur le présentiel. Et justement, je les ai aidés sur le distanciel parce qu'ils n'avaient jamais fait de distanciel. Et donc, du coup, sur le distanciel, ils avaient parmi leurs formations certaines qui fonctionnaient très bien en fait en distanciel. Et il y avait une réflexion, ce qui était de se dire.
Est-ce que on fait est-ce qu'on fait du est-ce qu'on ferait pas un mix entre les deux à terme quoi? Et je pense que vraiment il y a de la place pour créer des dispositifs où vous auriez 15 jours de formation à distance, une rencontre une fois par mois. Enfin, ça dépend de la longueur de la formation, évidemment, mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour créer des dispositifs de formation où on fait un mix entre des rendez-vous hebdomadaires distanciels et des rencontres mensuelles présentielles. Parce que le présentiel, finalement, c'est la convivialité et le distanciel, c'est la pratique de ne pas avoir à se déplacer. Donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a un client avec qui je travaille qui s'appelle Open Classrooms. Alors, eux, ils font des, je ne sais pas si vous connaissez, Oui, tout à c'est fait. une licorne, ils font des formations sur 6 mois à 1 an. Vous êtes diplômant, vous travaillez, 100, c'est ouais, 100% distanciel. distanciel et c'est, enfin, j'enseigne au sein de cet organisme et honnêtement, ça marche très bien. Et ce qui manque un peu, c'est la convivialité du présentiel. Mais ça, à la limite, un jour, ils pourront peut-être organiser des points tous les mois avec des étudiants entre eux qui ont envie de se rencontrer. Ça, c'est tout à fait possible de le faire et vous retrouvez la convivialité du présentiel. Mais le distanciel offre vraiment beaucoup de bénéfices et je pense aussi que le prix des formations est clairement beaucoup plus accessible parce qu'une formation Open Classroom, c'est 300-400 euros par mois. Pour un Bien diplôme, sûr. une formation diplômante, ça coûte minimum 7 000, 8 000, 9 000 euros l'année, quoi. Donc, on est sur la moitié du prix, quoi. Donc, voilà. Et ça Alors, permet aussi une chose géniale, il c'est faut qu'il n'y quand a pas même de. reconnaître, Yemselm, que dans le contexte Covid, avoir pensé à un modèle qui soit 100% en ligne, c'était quand même avoir le nez creux, parce que quand on était confiné chez nous, c'est quand même une opportunité par rapport au fait de recevoir du public que vous n'auriez pas pu recevoir à ce moment-là. Oui, alors, pour le coup, le nez creux, c'est plutôt à la base le fait de mettre l'ANSES dans la formation en décembre. Enfin, du coup, la décision et le fait de monter la structure, parce que j'étais pas encore. J'ai passé quand même l'année 2019 à réfléchir à plein d'autres pistes. Et je pense que quand on crée son projet, il y a vraiment la question du choix. Comment choisir le projet sur lequel on se met? Est-ce qu'on fait un choix? Moi, c'était pas du tout un choix opportuniste parce que l'entreprise a été créée mais d'ailleurs, c'est drôle, en mars 2019, pas en mars 2020. En mars 2019, donc Un an avant. 1 an avant le premier confinement. C'est assez drôle, je m'en rends compte qu'en vous le disant, j'avais même pas fait le lien. Et donc, si vous voulez, moi j'ai fait ce choix parce que j'ai fait mon propre bilan de compétences, on va dire, et ce qui, dans ma personnalité, correspondait le plus dans tous les métiers auxquels j'avais réfléchi, c'était la formation. Et pour moi, quand on crée une entreprise, c'est ça, on ne le dit pas assez souvent, avant tout, on crée un métier. Sauf si on est un homme d'affaires qui est là, qui flaire les opportunités. Moi, je sors ce cas-là qui ne m'intéresse pas beaucoup, même si il a son intérêt. Mais quand on crée une entreprise, on crée un métier avant tout. Et la question qu'on ne se pose pas assez, parce qu'on pense qu'entrepreneur, c'est un métier, enfin, ça fait partie du métier, mais ce n'est pas un métier, parce que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans l'entreprise, quelle activité on a envie de créer à l'intérieur. Et c'est cette question-là qui aide à faire son choix et à se dire ce projet plutôt qu'un autre. Parce que flairer les opportunités, enfin, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est à la portée de tout le monde. Et à flairer les opportunités, on finit par en fait, partir dans tous les sens et à pas faire de choix. Et je pense que ce qui crée de la valeur économique, c'est l'amour qu'on met dans son travail. C'est un peu romantique dit On comme est ça, mais. d'accord. Mais, euh, mais, Non, mais, non, mais mais il faut. il y a peu de gens enfin, dans le monde entrepreneurial, c'est quelque chose qui n'est pas assez, en tout cas en école de commerce, qui n'est pas assez mis en avant. Et donc, j'ai créé cette entreprise-là, dans la formation et j'ai eu cette chance-là. Et après, donc évidemment, il y a eu le Covid et ça s'est. Du coup, il y a eu de la demande autour de la formation pour le coup. Mais je pense que ce qui a, ouais, c'est le fait d'avoir choisi la formation qui fait que Qui j'ai eu un était peu un de chance. secteur porteur à ce moment-là. Voilà, c'était le fruit du hasard. C'était fruit du hasard, oui, pour le coup. En revanche, petite question, votre entreprise étant déjà créée, immatriculée, contrairement à Élise qui va l'immatriculer dans les jours à venir, avez-vous bénéficié de prêts garantis par l'État et d'aide de l'État compte tenu à la fois de la jeunesse de votre entreprise et de la situation Covid?
J'ai pas eu besoin de demander de ce genre d'aide. Alors ça dépend de quoi on parle. Il y a une aide que j'ai demandé, une aide, enfin c'est même pas une aide, c'est un prêt garanti par la région Île-de-France qui s'appelle Résilience. Il a été d'ailleurs prolongé jusqu'à mars 2021, je crois. J'ai fait appel à l'ADI. En fait, j'avais très peur d'un point de vue financier, j'avais très peur en fin d'année. Non, même pas en fin d'année, en été. En été, c'était plutôt compliqué parce que ma trésorerie n'était pas complètement rassurante. Donc, j'ai fait appel à l'ADI et donc j'ai rencontré. Enfin, ils sont vraiment géniaux, l'ADI. Je passe un, si nous vous écoutent, je passe un coucou. Profitez, profitez, ce sont des partenaires de la sphère entrepreneuriale. Et donc, l'ADI m'a réorienté. Qui est génial et qui m'a parce que j'avais un compte bancaire dans une banque en ligne donc les banques en ligne faut pas compter sur elles en période de Covid, ça c'est le problème. Et donc du coup l'ADI m'a orienté vers le fonds Résilience et donc j'ai demandé 3000 euros vraiment pour au cas où et ça m'a bon, ça m'aide dans ma trésor quoi. Donc c'est pas une somme énorme, ça m'a permis notamment de financer certains travaux, notamment sur le design ou sur une certification qu'on a passée. Après, on aurait pu l'autofinancer, mais c'était quand même beaucoup plus sécurisant parce que, en fait, le problème, quand vous avez une trésor à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois ou même à 6 mois, mais c'est jamais assez, en fait, la trésor, vous ne savez pas, surtout dans le contexte actuel. Surtout face à un événement tel que le Covid qui dure un an et quelques. C'est ça. Donc, en fait, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise trésor. Donc, tant qu'on peut avoir. Après, il ne faut pas trop en demander non plus parce que, bon, il y a d'autres personnes qui en ont besoin, mais aussi parce que, il ne faut pas oublier que c'est de la dette. Faut le rembourser. Donc, 3 000, c'était une somme qui avait l'air relativement gérable. Donc, voilà, on a demandé ça. Et voilà. Mais sinon, il y a. Sur les prêts garantis par l'État, non, je n'ai pas fait cette demande, tout simplement parce que, notamment, ce n'est pas une question de jeunesse de la structure, c'est surtout que quand on a, enfin, faut savoir ça, quand on a un compte en ligne, c'est génial, mais sauf que c'est un compte où il n'y a aucune possibilité de faire des demandes de type prêts garantis par l'État. Donc, Oui, ce sont des structures qui ne s'y adaptent pas. La décision que j'ai prise, c'est que j'ai ouvert un compte à la VNP parce que je trouve ça complètement aberrant d'avoir une banque et de ne pas pouvoir compter sur sa banque en cas de coup dur. Enfin, c'est pas forcément pour maintenant, mais un jour, si j'ai besoin de. Parce qu'il faut savoir aussi que la relation qu'on a avec son banquier, c'est ça aussi qui fait qu'on peut à un moment demander un financement. J'ai rencontré plusieurs banquiers avant d'ouvrir mon compte et il y en a un qui me disait nous, les entrepreneurs, ils viennent nous voir quand ils ont besoin, mais à un moment, ils nous. On ne discute jamais, on n'a pas de suivi de ce qu'ils font. Il ne faut pas nous voir uniquement quand on a besoin de nous. C'est une relation aussi, une relation de confiance qui doit se construire. Et donc voilà, donc je défends la banque traditionnelle, même si ça coûte, la première année, ça coûte que 20 euros par mois, donc ça va. Et même si ça coûte 40 euros par mois, ça vaut le coup, quoi. 40 euros par mois. D'ailleurs, le banquier en général, quand il est bon, peut vous donner des conseils, il a un regard sur votre activité. Donc c'est toujours, enfin, dites-vous que c'est 40 euros par mois, mais d'un regard de quelqu'un qui voit d'autres entreprises à côté. Alors, ce n'est pas une parole divine, mais c'est quand même intéressant d'avoir un autre acteur. Il y a le comptable, il y a le banquier. Et donc c'est surtout quand on entreprend quand on est relativement jeune dans le métier ou quand on est seul. C'est vraiment important d'avoir d'autres acteurs, d'autres regards extérieurs. Le fait de travailler avec, par exemple, avec ma designer, ça m'a beaucoup aidé parce que donc j'ai une cofondatrice qui est psychologue et deux associés qui sont, pas deux associés, deux formatrices qui sont psychologues. Et donc on travaille ensemble, mais elles ont leur métier, elles sont pas vraiment dans l'activité. En tant que dans la gestion, dans le côté stratégique, je suis vraiment seul pour le coup. Et Tout dans à le fait, développement. vous êtes seul aux commandes à prendre les décisions. Voilà, donc c'est pour ça que ça aide d'avoir donc être seul, il y a des avantages, mais le fait d'être complété par éventuellement un comptable, par un banquier, par un designer, d'avoir ces personnes-là qui viennent vous donner leur regard, travailler avec vous, ça aide vraiment. Il faut les choisir comme on choisirait presque un associé ou un partenaire, parce que vraiment, ce qu'ils vont vous dire va impacter. Moi, le premier banquier que j'ai vu. Avant que ça s'appelle Pourquoi.org, que je lui ai donné un nom, il me dit ouais, mais non. Et en fait, ce qu'il m'avait dit m'avait fait travailler et ça m'a beaucoup aidé. Et bon, si on choisit mal, du coup, on sera mal aiguillé. Donc, je vous encourage à rencontrer plusieurs banquiers, plusieurs comptables et faire votre choix comme si vous choisissiez vraiment un partenaire, quoi.
C'est pas juste un service qu'on paye et une contrainte à passer. Une fois de plus, comme nous le disait Élise précédemment, s'entourer de bons partenaires dans l'aventure entrepreneuriale, c'est important, d'autant plus important quand on est amené à traverser des crises telles que l'on connaît. Donc moi, je retiendrai de notre entretien, Yenselm, beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire ne pas inciter des gens à changer de carrière dans une période difficile et pour lesquelles on n'a pas exactement de visibilité. Je retiendrai également une adaptation de l'offre, tout en ayant conscience de se poser la question de savoir est-ce que ce sont des tendances qui vont être pérennisées dans l'avenir ou est-ce que c'est un contexte très spécifique à rentrer dans la grosse parenthèse Covid que nous vivons. Merci beaucoup d'avoir témoigné donc au sujet de Perspective EO et on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bilan de compétences. Merci, merci beaucoup Yenselm. Journée. Alors, nous allons maintenant accueillir un nouveau témoin. Quant à lui, donc, il travaille dans un contexte bien original et qui me parle bien. C'est Maxime Durand de la marque Bio Demain. Alors, bonjour Maxime. Bonjour à tous, vous entendez bien ? Oui, est-ce que vous pouvez monter un tout petit peu le son peut-être de votre... Bon, je peux parler plus fort, ouais. Je pense que ça va Ah suffire. Voilà, parfait, on vous entend mieux, il suffisait de le rapprocher. Merci beaucoup. On s'adapte à ces Nickel. Nouvelles conditions que sont la visio. Alors, dans un premier temps, Maxime, présentez-nous cette belle aventure. Bio Demain, c'est quoi ? Expliquez à nos internautes que j'invite à réagir dans le chat s'ils ont des questions pour nos témoins. Bien sûr. Donc moi, c'est Maxime, un des deux cofondateurs de Bio Demain. Donc Bio Demain, on est une marque équitable qui aide les agriculteurs à passer au bio. En fait, passer au bio pour un agriculteur, c'est compliqué. Ça représente 2 à 3 ans de ce qu'on appelle la conversion biologique. 2 à 3 ans durant lesquels l'agriculteur doit déjà cultiver en bio, mais sans être labellisé. Donc pour lui, c'est énormément de contraintes, mais pourtant, pas encore, pendant 2 à 3 ans, pas encore le label et donc pas encore le prix de vente rémunérateur. Nous, ce qu'on fait avec Bio Demain, c'est acheter des produits d'agriculteurs en conversion à un prix équitable et derrière, on les valorise donc sous la marque Bio Demain, sous cette forme-là. Donc, ce produit n'est pas encore bio, avec cette baseline-là assez, assez frappante. Et donc, notre rôle à nous, c'est vraiment de bien rémunérer les producteurs en conversion et de les valoriser auprès du consommateur final pour, on va dire, permettre à un maximum d'agriculteurs de passer à une agriculture plus durable. Alors, je trouve ce business model formidable. Je l'ai découvert avec votre enseigne. Je connaissais les enseignes non bio, les enseignes bio, mais bio, pas encore. Je ne connaissais pas. D'où vous est venue cette idée de business model ? Est-ce que c'est vos études à l'étranger ? J'ai cru voir que vous aviez étudié à Montréal. Alors, c'est pas de l'étranger que c'est venu de mon grand-oncle André qui était agriculteur en Bretagne et qui a voulu passer au bio il y a quelques années. Pour lui, c'était une période très compliquée. Il a eu 2 ans de bonnes grosses galères financières, des chutes de rendement. Parce que, donc, au moment où l'agriculteur passe en bio, il a des chutes de rendement, des investissements à faire, un nouveau métier à prendre. Donc, vraiment beaucoup de problématiques. Donc, André, il est arrivé dans cette période-là de manière. Très compliqué, il n'a pas réussi à finir, il s'est retrouvé trop endetté au milieu de la conversion, il a dû revendre son exploitation et se reconvertir. Et c'est de là que c'est venu Bio Demain, c'est en se disant avec Stéphane, un ami d'école, c'est pas normal dans le contexte écologique actuel que des producteurs qui veulent faire le bien ne puissent pas aller jusqu'au bout de leur conversion. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé Bio Demain, pour les accompagner dans cette démarche compliquée. Alors, j'ai eu l'occasion, de par mes différentes casquettes, de faire de la formation à Ortibraise, une entreprise bretonne située à Lorient également. Et j'ai pu voir des agriculteurs, donc agriculteurs à la fois en agriculture intensive, donc non bio, et également des agriculteurs bio. Alors, concernant les rendements, effectivement, la question ne se pose pas. J'ai pu le constater de moi-même, n'utilisant pas de pesticides, d'herbicides. Forcément, on a un rendement qui est moindre, mais un produit de plus grande qualité. Qu'est-ce que, au niveau... Votre entreprise existe depuis combien de temps, s'il vous plaît, Maxime ? Alors nous, on a créé en novembre 2018, en parallèle de nos études, donc on était encore étudiant à l'époque quand on a créé. Étudiant entrepreneur, sous le statut étudiant entrepreneur ?
Ça, on l'a fait après, mais on était vraiment étudiants quand on a lancé. Donc, on a commencé 2018-2019, donc c'était dernière année d'études pour nous. Ensuite, 2019-2020, année d'étudiants entrepreneurs. Et on a vraiment lancé la marque telle qu'elle existe aujourd'hui en magasin en septembre 2019. Ok, septembre 2019, quelques mois justement avant le début de la crise. Comment se sont passés ces premiers mois et quel a été l'impact de la crise sanitaire Covid par rapport à votre jeune entreprise dans ces premiers mois de lancement? Bah nous, les premiers mois ont été très très bons, on a pas mal développé, on a ouvert de plus en plus d'enseignes et donc de magasins partenaires qui nous ont rejoints. Donc, c'était un très beau développement jusqu'à la période de Covid où en fait on a fait des belles ventes dans les magasins où on était présent, mais on n'a pas ouvert de nouveaux magasins. Donc, en fait, le développement commercial s'est arrêté net au 15 mars et on n'a rien fait jusqu'en octobre, ce qu'on a enchaîné donc confinement, vie période d'été. Puis retour de vacances, et ça a repris en fait que en septembre-octobre, pour à nouveau faire une pause en novembre avec le deuxième confinement, avec les vacances d'hiver. Donc pour nous, ça a été assez compliqué en termes de développement commercial, même si on a la chance d'avoir un produit qui plaît bien, qui marche bien en magasin, et sur la période où on a pu fonctionner, donc septembre-octobre, ça a très bien marché, on a bien développé. Donc pour nous, c'était un gros ralentissement au développement commercial, mais on s'en sort et je pense que par rapport à d'autres business, on n'est pas totalement à l'arrêt et on a quand même de la chance à ce niveau-là. Alors, vos produits sont distribués en GMS, grande et moyenne surface? Magasin bio, nous. Donc on est présent Alors, dans différents magasins un magasin bio. bio peut commercialiser un produit qui soit pas encore bio? Tout à fait, tout à fait. Donc, les produits bio demain sont cultivés donc selon les règles bio, même s'ils ne sont pas encore labellisés. En fait, pour les magasins bio, c'est un moyen de s'engager très concrètement en faveur de la conversion biologique et du développement de filières bio françaises. Donc, pour eux, c'est un acte militant et ils sont tous prêts à le faire. Complètement, c'est un engagement. Tout à fait. Ok, alors qu'est-ce qui, selon vous, a ralenti ces négociations? Parce que vous avez pu fonctionner avec le parc de magasins déjà partenaires. Qu'est-ce qui fait que les magasins bio n'ont plus pu contracter de partenariat pendant cette période du Covid? C'est la prise de risque. En fait, tout le monde avait peur de lancer des nouveaux produits, des nouveaux projets. Pendant le premier confinement, tout le monde était à la recherche de farine. Et c'était la seule priorité, c'était de trouver de la Et farine. de Et le levure, oui, reste, effectivement. ouais, voilà. Et le reste, les autres nouveaux produits, tout le monde s'en fichait. C'était vraiment paré à l'urgence. Beaucoup de monde était en télétravail, voire en chômage partiel. Deuxième confinement, c'était pareil. En fait, c'est juste que c'était pas la priorité de répondre à une nouveauté, que c'était une prise de risque qu'ils ne voulaient pas prendre dans cette période un peu risqué en fait L'incertitude. de base. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas eu de nouveau référencement. C'est vraiment ce côté-là, des personnes pas forcément disponibles, pas forcément la priorité, et c'est une prise de risque qu'ils n'étaient pas prêts à prendre. Ok, donc cette prise de risque, bon, qui a ralenti, on l'entend tout à fait, votre développement commercial. La période estivale est arrivée derrière, ce n'est pas la meilleure période pour le référencement. Tout à fait. On est entre les congés, on est un petit peu à l'arrêt. Avez-vous repris un petit peu le chemin de ces référencements? Et à l'heure actuelle, votre parc est à combien de magasins, si vous pouvez nous le diffuser, hein? Tout à fait. Donc nous, on a repris donc en septembre-octobre et là depuis janvier, ça va très bien. Donc là, on a à date à peu près une centaine de points de vente où on est présent et on devrait passer à 300, tout se passe bien d'ici l'été et 600 avant la fin de l'année. Donc belle croissance à venir. Donc on est Mais assez c'est une content. Il y a croissance aussi importante que le taux de vaccinés en France, dites-moi. C'est ça, on essaye. On est sur la même courbe. Non, effectivement, on est content, ça progresse bien. Il y a beaucoup, beaucoup de marques d'intérêt. Après, tout ne se fera pas, mais en tout cas, on est assez positif là-dessus. Alors, autre point, on a vu des comportements spécifiques de la consommation des ménages lors du confinement. Vous avez souligné un comportement très très spécial qui était la pénurie de farine dans tous les magasins ainsi que de levure. Voilà, Effectivement. effectivement, tout le monde s'est mis à faire son pain maison. Est-ce que vous, sur les magasins sur lesquels vous étiez référencé, vous avez vu une augmentation de vos ventes? Est-ce que le consommateur s'est un peu rassuré en achetant des produits bons, en se faisant plaisir, puisqu'en fin de compte, la consommation alimentaire était entre guillemets notre seul poste budgétaire? Oui, nous, on a bien fonctionné pendant le Covid, ça c'est sûr.
certains produits plus que d'autres, donc farine forcément, tous les produits qui se cuisinaient, en fait, on a eu une augmentation, mais je pense comme toutes les marques agroalimentaires. Après, c'est les produits plus plaisir, où là, pas forcément, notamment les jus, en fait, il n'y a pas eu une augmentation de la consommation de jus, parce qu'il n'y avait plus d'apéro, il n'y avait plus de sorties avec les copains, donc toute une gamme de jus de fruits, de cidre, de vin. Ça n'a pas augmenté. Par contre, c'est plus les légumineuses, ça va être la farine, les soupes. Là, on a eu une augmentation. Les gens se sont recentrés sur une activité saine qui est faire la cuisine en famille. Effectivement, Tout à les fait. activités sociales qui tournaient autour de l'apéro, on l'a déjà évoqué, c'était quand même somme toute limité. C'était On n'avait pas compliqué. trop trop le cœur à ça face à un ordinateur. Dites-moi, compte tenu de votre structure et de sa jeunesse, avez-vous bénéficié pendant cette période d'aide de l'État proposée? Est-ce que vous avez eu recours? Vous avez une équipe, Maxime? Ouais, on est 10 maintenant, je pense, à peu près. Donc, on a D'accord, une vous petite êtes une équipe. équipe de 10 personnes. Est-ce que vous avez été amené à mettre certaines personnes au chômage partiel face au manque de référencement? Expliquez-nous comment vous avez vécu cette période de Covid et comment vous avez dû adapter votre structure. Ouais, nous, on avait la chance à l'époque d'avoir une structure assez souple, comme à l'époque, on avait donc seulement 3 salariés. Aujourd'hui, oui, on est une dizaine, mais à l'époque, on était en tout 3. Nous, on n'a pas eu recours au chômage partiel parce qu'on. Malheureusement, on ne rentrait pas dans les cases pour y avoir recours. C'est-à-dire que on n'avait pas de chiffre d'affaires sur l'année précédente. Donc, il n'y avait pas de comparable pour montrer qu'on avait une chute de chiffre d'affaires. Et surtout, nous, la grosse problématique, c'est qu'on n'a pas eu d'augmentation du chiffre d'affaires comme attendu. En fait, nous, on est une jeune boîte, donc on a besoin de croissance. Et en fait, la grosse problématique qu'on a eue, c'est qu'on n'a justement pas eu de croissance pendant plusieurs mois. Et ça, en fait, l'État n'a pas reconnu cette problématique-là qui était, on est une jeune boîte en plein boom, on avait des chiffres, on faisait du x2 quasiment tous les mois. Et là, d'un coup, stabilisation complète, ce qui n'était pas du tout prévu et ce qui était très problématique pour nous. Malheureusement, on n'a pas eu le droit aux aides. On a eu la chance d'avoir un petit PGE malgré tout parce qu'on avait donc des emplois. Mais donc, on n'a pas pu mettre des personnes en chômage partiel. On a continué à fonctionner, je ne vais pas dire normalement, mais en tout cas, on a essayé du mieux possible de continuer à fonctionner normalement. De toute façon, face à un événement de cette ampleur, vous l'avez souligné, Maxime, on continue à fonctionner, mais en demi-régime, comme on peut, on fait face à la situation. Donc, la trésorerie vous a-t-elle fait défaut? Parce que dans un business model, une entreprise qui a un an de vie, vous avez des prévisionnels, vous avez une trésorerie. A-t-elle été suffisante pour faire face à ces périodes, entre guillemets, de vaches maigres, compte tenu du fait que vous n'avez pas pu bénéficier d'aide du manque d'antériorité? Ça a été compliqué. On a passé un mois d'avril avec, je crois qu'on avait 40 euros à peu près sur le compte bancaire de l'entreprise et une cinquantaine d'euros sur chacun de nos comptes personnels avec Stéphane, mon associé. Donc C'est ce c'était un qu'on peu appelle short. compliqué, effectivement. C'était tout juste. Et non, je pense qu'on n'est pas passé loin d'avoir des petits problèmes. Mais c'est passé et on est content d'avoir réussi à passer cette période-là. On a eu de la chance, je pense, de réussir à la passer. Pas de compliqué, on espère que, bah, en tout cas nous ça reprend et on est content de comment ça se passe, donc on espère que ça va continuer comme ça. Mais on sait qu'il y a des copains à nous dans d'autres boîtes qui n'ont pas eu cette chance-là et pour eux ça a été trop trop short et ils ont dû fermer quoi. Et ça Oui, vous êtes en c'est contact avec quand d'autres même terrible. créateurs peut-être qui, Ouais, eux, ont subi tout de ce qui est plein fouet restauration. le Covid et qui n'ont pas pu tenir le cap, n'avaient pas suffisamment de trésorerie. Tout à fait. Tout Ah à oui, fait. ça reste quand même très compliqué. Dites-moi, est-ce que cette crise du Covid a modifié la façon d'envisager votre business model? Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels vous allez étendre les gammes, faire différemment les partenariats? Est-ce que ça a impacté votre façon de travailler au quotidien, cette crise du Covid? Et en quelle mesure? Je dirais que le plus gros impact qu'on a aujourd'hui, c'est pas sur les produits ou le business model, c'est plus sur la façon dont on fonctionne en interne. Donc déjà, quasiment plus de déplacements vers les clients, vers les partenaires, alors qu'on était très très proche du monde agricole, des magasins, on allait beaucoup sur le terrain. Ça a quand même pas mal modifié les choses. Le travail en équipe, du coup, est très différent en télétravail, mais je pense que ça tout le monde le vit aujourd'hui. Et après, non, en termes de business model, on va dire que la consommation française sur les produits alimentaires a changé légèrement pendant le premier confinement, mais est revenue à la normale. On n'a pas vu de changement constant dans le temps.
Donc, à date, en tout cas, nous, il n'y a pas de modification du type de produit ou la façon dont on fonctionne. Non, aujourd'hui, la consommation française, elle est revenue à peu près à la normale. Tu as très peu de produits, en fait, où ça a vraiment bougé. Alors oui, c'est ce que disait Yemselm tout à l'heure de Perspective EO. Vous n'avez pas identifié des tendances lourdes et pérennes pour pouvoir envisager de modifier votre conception de l'entreprise, votre offre de produits. Vous continuez votre business tel que vous l'aviez prévu en vous adaptant face effectivement à la situation quand elle se présente. Ouais. Après, le Covid, en tout cas, n'a pas perturbé les tendances de fond qu'il y avait déjà, hein, se tourner vers justement des produits plus sains, plus équitables, qui ont un impact social, environnemental profond, comme ce qu'on fait. Donc, voilà, on était déjà sur les tendances sur lesquelles il fallait se placer. On l'est toujours, ces tendances-là, elles continuent, un rythme un peu saccadé, parce que pendant le confinement, les gens sont beaucoup, beaucoup tournés vers ce type de produits-là, un peu moins maintenant. En tout cas, c'est une tendance qui continue sur le fond. Donc, globalement, on est déjà positionné. Les tendances ne changent pas. En tout cas, à date, on n'a pas observé ça. Donc, on continue sur la lancée qu'on a déjà eue. Alors, cette crise, on l'a entendu dans les médias, selon certains médias, changerait quand même la mentalité ou accélérerait ces tendances que vous évoquez, Maxime, à savoir aller vers du local, aller vers du responsable. Donc, c'est quelque chose que dans votre prévisionnel, vous n'aviez pas anticipé, mais c'est quelque chose qui, selon vous, va augmenter à terme les quantités achetées? Pour ce qui est globalement, on est sur le genre de démarche qui gagne à être connue, qui gagne dans le temps parce que on est, je crois, en tout cas, je le crois profondément, hein, sur un business d'avenir, sur il y a plus de consommateurs engagés, et les consommateurs engagés, c'est le cœur de notre clientèle. Et donc, je pense qu'on est bien positionné. Donc oui, ça va augmenter dans le futur. Après, Covid ou pas Covid, je pense en tous les cas, ça aurait augmenté. Le Covid a accéléré momentanément pendant le premier confinement cette consommation-là, mais on l'a vu, c'est revenu à la normale après. Hein. La consommation de produits bio a fait un boom pendant le premier confinement, a redescendu pendant l'été, a reparti pendant le deuxième confinement, et là on est reparti sur des consommations normales. Donc de ce qu'on voit en tout cas, même s'il y a des choses où, oui, pendant les confinements, il y a eu un rapprochement vers les magasins bio, vers les producteurs en direct, vers des plateformes qui font du super bon travail. Globalement, sur Oui, le long des terme, oui, AMAP, ce genre de c'est ça. choses. Tout à fait. Globalement, sur le long terme, il n'y a pas eu une énorme augmentation, quoi. Ça suit la tendance, finalement, qu'il y avait déjà eu ces dernières années. Alors, On va dire que le vous taux avez de lancé rétention. votre entreprise il y a maintenant un an, plus d'un an, excusez-moi, presque deux, 2019. Est-ce que les chiffres et les tendances, malgré la crise, suivent le prévisionnel que vous vous étiez fixé? Sachant que pour nos internautes, que j'invite à réagir dans le chat s'ils le souhaitent, poser des questions, sachez qu'un prévisionnel, ce n'est pas une science exacte et qui se fait en trois hypothèses, haute, moyenne et basse. Est-ce que la crise du Covid a eu un impact sur ces courbes-là, en plus, en moins? Ah oui, non, on est bien en dessous de ce qu'on avait prévu. Hein. Ça n'y a pas à dire. Alors, en fait, là où on devait l'année dernière, avant l'été, être à peu près 100 points de vente, on y est seulement aujourd'hui. En fait, on a pris un bon 6 mois dans la vue à cause du Covid en termes de croissance, de développement commercial. Donc, on est très en retard, nous, sur les prévisionnels. Là, pareil, à cause du deuxième confinement, on a repris du retard. C'est pas du retard qui va nous tuer comme ça pourrait tuer certaines boîtes. Donc on a cette chance-là d'avoir une certaine souplesse, d'être assez à l'aise avec nos chiffres et de pouvoir se permettre en tout cas de ne pas atteindre les objectifs prévus à cause de la crise. Après oui, on reste bien en dessous de ce qui était prévu. Ouais. Ça y a pas à dire. Alors, il y a quand même eu un impact, d'où l'importance, comme on l'évoquait tout à l'heure, de cette fameuse trésorerie. Alors, trésorerie qui ne peut pas être d'une année, hein, ce n'est pas réaliste. Il n'y a pas de business plan avec un an de trésorerie. Ça se compte souvent en termes de quelques mois, mais c'est sans compter sur un événement aussi impactant que le Covid. Si c'était à refaire, Maxime, c'est-à-dire si on repartait un an en arrière, juste avant le premier confinement, et que vous sachiez ce que vous savez concernant la crise, qu'est-ce que vous changeriez dans votre façon de fonctionner? Je pense que j'aurais commandé de la farine avant pour pas être en On est rupture, d'accord. c'est sûr. Commandez-moi aussi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on aurait changé? C'est une très très bonne question. Je pense que
En termes de trésorerie, on aurait prévu un peu plus tôt et surtout, on aurait été plus actif auprès de nos clients pour qu'ils nous règlent les créances. Parce qu'au final, c'était ça, la grosse problématique, c'est que les clients étaient débordés, ne nous réglaient pas. Donc, on se retrouve dans le rouge alors que, on va dire, par vue de l'esprit, finalement, on n'avait pas de soucis, quoi. On avait des clients qui nous devaient beaucoup d'argent et on devait, nous, pas beaucoup d'argent aux agriculteurs. Donc, dans la logique, en fait, on avait de l'argent qui dormait chez les clients. Et c'était ça la problématique, c'est qu'ils n'avaient pas le temps de nous régler, ils oubliaient, ils étaient surchargés. Et je pense qu'on aurait été plus insistant auprès d'eux si on avait su, enfin en tout cas la suite de l'histoire. On aurait sûrement trouvé d'autres logiques pour la trésorerie, notamment on a fait des prêts d'honneur a posteriori, on aurait sûrement activé ça un peu avant. Enfin, différents mécanismes en tout cas qu'on aurait réfléchi différemment. Ce serait à refaire, je pense qu'on se serait moins chargé en termes de masse salariale. On n'était pas extrêmement chargé, mais en tout cas, je C'est-à-dire sais les plus ce qu'il trois fallait. salariés dont vous me parliez tout à l'heure que vous aviez au début de la Tout crise à fait. On Covid. avait stagiaires et on avait donc salariés. Je pense qu'on aurait fait différemment. Ouais. On serait sûrement moins chargé là-dessus, histoire d'éviter d'avoir des bah, trop de pertes à ce moment-là. Et Oui. non, sans, globalement, j'ai envie de dire par rapport à beaucoup, on a la chance de pas trop mal s'en sortir. Donc il n'y a pas tant de choses que ça a changé. Mais c'est des événements où on peut finalement pas faire grand-chose. Donc là, en termes de développement commercial, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux ou différemment. C'est vraiment en termes de gestion de la trésorerie où on aurait pu faire mieux, je pense. Alors, on dit souvent que le chef d'entreprise, les chefs d'entreprise, puisque vous êtes deux cofondateurs, doivent faire preuve d'agilité. On a évoqué tout à l'heure le mot de couteau suisse, être partout au même endroit. Est-ce que vous considérez qu'avoir vécu une crise d'envergure qui va rentrer dans les livres d'histoire, tels que le Covid, fait de vous un entrepreneur averti en 2021 et vous pouvez d'autant plus être fier d'avoir créé votre entreprise et d'avoir surmonté cette crise? Je pense que oui, on peut être fier de nous d'avoir réussi. On a aussi eu de la chance à nouveau. Hein. Je pense qu'on ne peut pas se donner tous les lauriers parce qu'on a eu de la chance d'être sur un secteur d'activité qui a continué à fonctionner. Je pense que les restaurateurs qui aujourd'hui sont en galère peuvent être bien plus fiers que nous de réussir à continuer, de réussir à garder le moral malgré tout ça. Je pense qu'on a, on a de la chance dans cette crise. Après, oui, pas évident, c'est sûr. Je pense que oui, on a fait des choses. On est plus averti, on s'est donné à fond pour que ça fonctionne. Le nombre de fois où on a passé, on emballait en fait nous à un moment la farine nous-mêmes parce que l'emballeur ne pouvait plus le faire parce que trop de demandes. Et en même temps on gérait les pitchs juste après pour avoir nos prêts d'honneur. Enfin, on a fait plein de choses finalement. Le côté couteau suisse, là, on l'a très bien vécu et je pense qu'on a relativement bien géré la chose. Après à nouveau, c'est, on peut le dire hein, dans cette crise-là. T'avais de la chance si t'étais dans un secteur d'activité qui continuait, t'avais pas de chance si t'étais dans un secteur d'activité où ça continuait Il pas. fallait être sur tous les fronts. C'est ça. C'est aussi le quotidien de l'entrepreneur. Pour les internautes qui nous regardent, il y a une question, je vais vous la poser juste après Maxime. Et ensuite, nous allons accueillir très rapidement Morganello qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Depuis la route, elle a beaucoup de mérite, Morgane. Le fameux couteau suisse, on l'a évoqué, c'est une réalité. Sachez que pour les personnes qui nous écoutent, un entrepreneur, il vit entreprise, il respire entreprise, il mange entreprise. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse de côté à certains moments de la journée et du week-end. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, Maxime. Quand il y a le feu, ben, il faut être les mains dans le charbon. Et ben, on met la farine en sachet, on travaille le pitch en même temps. Ça demande un bon jeu de jambes. Tout à fait, ça c'est clair, il n'y a pas de repos. Merci beaucoup, Maxime. Alors, la question de nos internautes, est-ce que les grandes et moyennes surfaces ont profité de la situation pour négocier les prix et tenter d'acheter au moins cher? Oh, les vilains! Bah, je parlerai pour nous, mais nous en tout cas, non, tout le monde a été top, on a été soutenu partout. Après, ils n'avaient pas forcément le temps de. Bah, on parlait là des paiements, ouais, c'était en retard, parce qu'ils n'avaient pas le temps, mais globalement, tout le monde a été présent, et de ce qu'on a vu, nous, en tout cas, sur les magasins qui fonctionnent, il y a une vraie solidarité. Et non, il n'y a pas du tout eu de négociation de prix, il n'y a pas du tout eu de problématique dans ce genre-là. Au contraire, c'était plutôt comment est-ce qu'on peut essayer de faciliter la chose. Ok, vous pouvez livrer que tard le soir parce qu'il n'y a plus personne chez vous pour livrer avant. C'est pas, on va s'arranger, on sait bien que c'est compliqué pour vous. Enfin, tout ce genre de choses-là, en fait, ça s'est mis en place assez naturellement, assez facilement. Et finalement, c'était. Le monde des ceux qui travaillaient encore pendant le confinement était très solidaire. Enfin, j'ai jamais autant discuté avec mes clients en magasin que pendant ce premier confinement. On n'a jamais lié autant d'amitié et fait des dérogations aux règles pour rendre service à chacun, d'un côté comme de l'autre. Donc ça, Il y a eu globalement, de la non. solidarité, on s'est serré les coudes dans Ouais. dans l'adversité.
Nous, clairement, c'est ce qu'on a vécu et je garde un bon souvenir de ce côté-là. Après, je sais qu'effectivement, ouais, la question est bien posée, c'est qu'il y en a d'autres où ça n'a pas été ça. Après, je parle pas en connaissance de cause, donc j'expliquerai pas ça. J'ai eu des choses, mais je pense qu'il y en a d'autres qui savent mieux que moi ce qui s'est passé. Mais a priori, effectivement, il y a eu quelques abus à droite à gauche. Ouais. Bien, bah écoutez, mec, Maxime, merci beaucoup pour ce témoignage. Bon, on voit que vous êtes plein de bonne volonté avec un produit qui, je suis sûre, va cartonner. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé, Maxime. Avec plaisir, Alors, merci nous Marion. allons accueillir. Merci, au revoir. Nous allons accueillir, je vais la mettre en évidence, Morgane Hello, qui a la gentillesse de prendre un peu sur son temps de transport. Bonjour, Morgane. Bonjour. Vous allez bien? Ah, très bien, et vous? Bon, super. Merci beaucoup. Je sais que votre temps est précieux et qu'aujourd'hui vous avez une grosse échéance pour votre entreprise, mais j'ai beaucoup insisté pour vous avoir en tant que témoin aujourd'hui parce que Morgane, au-delà du fait qu'elle habite dans une ville que j'affectionne tout particulièrement puisque j'y ai fait mes études, elle habite La Rochelle et à La Rochelle, elle a carrément trouvé un business model issu du premier confinement du Covid. Vous allez nous raconter ça, Morgane. Oui, alors j'ai eu l'idée pendant le premier confinement. En fait, pour la petite histoire, j'ai une amie très proche de moi qui avait une autre amie qui n'était pas bien, Covid, retour chez ses parents, stage annulé, suite des études compliquées, le diplôme comment on l'a, on ne sait pas. Et du coup, mon amie a fait un carton, a mis plein de choses fait main, recyclées, des petits gâteaux, des livres, des coussins fait main, des trucs comme ça. Personnalisé du coup, et qui lui a déposé ça chez elle, ce qui lui a fait énormément plaisir. Et moi je me suis dit, mais faut pas perdre ça, cette magie, cette solidarité, ce côté fait main, personnalisé. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer cette même magie en confectionnant des box, donc surprises et personnalisées, contenant des créations d'artisans locaux, rochers. Donc ça, c'est l'idée de base. Alors ça, c'est une jolie histoire. Donc vous voyez que le Covid n'a pas amené que du négatif, il a même généré chez certains des idées de business. Alors des idées de business fondées sur de belles valeurs, à savoir l'échange, le partage, le local, la mise en valeur de l'artisanat. Et Dieu sait que dans cette période, la proximité a été importante. Alors, votre entreprise est-elle lancée, Morgane? Dites-nous un petit peu plus. À quel stade en Oui, oui, êtes-vous? oui. Allez-y. Pardon. Votre Pardon, c'est moi. entreprise est lancée, à quel stade est-elle, je vous prie? Alors, oui, elle est lancée. Donc, j'ai eu l'idée pendant le premier confinement. Tout de suite, j'ai commencé à rechercher des partenaires, donc des artisans locaux. J'en ai eu 10 très rapidement, qui étaient déjà dans mon carnet d'adresses. J'ai ouvert l'entreprise le 15 juillet 2020. Mais en attendant, j'étais tout de même salariée. Donc, j'étais pas à 100% sur le projet. J'ai vraiment commencé à m'y mettre à 100% du courant septembre. Et du coup, là, la com, de nouveau, aller chercher les artisans. Voilà. Et le deuxième confinement a été révélateur puisque j'ai beaucoup, beaucoup d'artisans qui sont rentrés en contact avec moi pour faire partie du projet, pour que je vende leurs produits. Et donc, du coup, là, on est arrivé à 30, plus de 30 artisans. Et Ils ont connu descendre. de par les différents articles dans Ouais. la presse. Ah oui, on en a eu pas mal. On s'est beaucoup servi de la presse au mois de novembre, notamment. Et la radio aussi. Donc là, à l'heure actuelle, vous avez un panel de 30 artisans qui vous permettent de compléter vos box. Alors, je rappelle le fonctionnement pour nos internautes de vos box. On peut acheter soit une box unitaire, soit un abonnement, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc une box unitaire complètement personnalisable avec un questionnaire en ligne. Et on peut aussi les acheter. Alors c'est plus les mêmes box parce que c'est des box à thème sous forme d'abonnement. On a aussi du courant novembre créé la plateforme, dites la plateforme en ligne. C'est-à-dire que tous les articles que vous pouvez retrouver dans les box, même plus, vous pouvez les acheter à l'unité sur la plateforme. D'accord, donc vous avez créé un site de vente en ligne qui ne vend plus uniquement que les box, mais également les articles. Est-ce que ça a C'est été ça. une évolution de votre business model liée à la COVID? Ah oui, bah oui, parce que la plateforme, on l'a ouverte en novembre, plein, plein Covid, les artisans étaient fermés. Donc c'est dû à ça, en fait, on voulait les aider, mais comment on peut vendre leurs produits?
Ce qui s'est beaucoup monté dans toutes les villes, enfin, ce que j'ai pu voir, c'était les villes qui faisaient un carnet d'adresses, voire même un drive. Mais au final, nous, ce qu'on permettait, c'est de faire un seul et vrai panier. C'est-à-dire que tous les, enfin, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, les gens peuvent acheter ce qu'ils veulent. Parmi les 30 partenaires, donc parmi plus de 150 produits, ça leur fait qu'un seul produit, ils sont livrés tout en même temps, quoi. Oui, on voit le côté facilité logistique, effectivement, parce que vos artisans ont peut-être individuellement, on peut imaginer un site marchand, mais le souci, c'est que si moi je veux un savon de la savonnerie de la rue Saint-Nicolas, plus une boîte de sardines un petit peu plus loin, ben, le souci, c'est que ça va me faire deux fois les frais de port. Donc vous avez globalisé cette offre, vous avez centralisé tout cela. C'est ça, et puis même tous les artisans n'ont pas des sites internet, n'ont pas pu faire de site internet, et ceux qui en ont, pour les plus gros, marche bien, pour ceux qui viennent de commencer ou même faire connaître un site internet, c'est quand même du boulot de communication, ce qui n'est pas forcément leur atout. Les artisans, ils sont beaucoup manuels, ils n'ont pas forcément tout ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de communiquer pour eux, parce que là, on centralise en gros 30 sites internet, quoi. Enfin, donc on a beaucoup plus de visibilité finalement. Oui, beaucoup plus de visibilité et de facilité pour le consommateur. Il était important, j'en parlais juste avant votre interview avec Maxime, les consommateurs se sont rapprochés du local, de l'artisanat. Est-ce que vous avez ressenti cette tendance? Est-ce que vous avez surfé sur cette tendance pour votre business model? Je dirais oui et non, parce qu'on est quand même une ville très touristique à La Rochelle. Donc en général, les gens, quand ils viennent acheter un cadeau, forcément, ils vont chercher du local. Après, pendant le Covid, en vrai, je sais pas trop. Moi, j'ai toujours baigné dans ces valeurs-là. Donc je me suis toujours entourée de personnes qui avaient ces valeurs-là. Est-ce qu'après, la tendance globale a changé? Je pense que La Rochelle a toujours été un peu comme ça, de base. Je Oui, sais pas, attractive. j'ai pas de chiffres en tête, je sais pas trop. C'est une ville en bord de mer, donc familiale. Donc effectivement, on ramène un souvenir de La Rochelle. Du fait de votre jeunesse d'entreprise, mais on peut parler également de votre jeunesse tout court. Avant vous, on avait Maxime qui a lancé son entreprise pendant ses études. Quel est votre âge, Morgane? J'ai 22 ans. 22 ans. Vous voyez, hein, ce sont de beaux modèles qu'on a là, des créateurs d'entreprises qui, à 22 ans, ont déjà lâché leur job pour avoir leur propre structure. Je trouve ça très formidable et porteur véritablement d'un beau message. Est-ce que vous avez bénéficié d'aide de par la crise de Covid lors de votre lancement d'entreprise? Non. Non, j'ai Ça n'a pas été bénéficié de... possible compte tenu du manque d'antériorité? Alors, je sais pas trop. En fait, je vais très peu chercher des aides parce que je sais pas vraiment pourquoi. J'ai pas trop envie disons, perdre du temps à remplir plein de dossiers, sachant qu'il y en a certainement pas la moitié qui vont être acceptés. Et je sais pas, j'aime pas trop aller chercher de l'argent comme ça. Donc, j'irai si vraiment je n'ai pas le choix. Comme là, tout à l'heure, ma bourse, ça serait vraiment pas mal que je puisse l'avoir, mais c'est vraiment rare et je fais pas ça tout le temps. Est-ce que vous aviez une volonté, est-ce que vous y aviez déjà pensé à créer votre entreprise au-delà de la crise? Est-ce que c'est quelque chose qui vous avait effleuré l'esprit? Bien sûr, j'ai eu mon bac, donc pour mon parcours en fait, j'ai eu mon bac S en 2016. Après, du coup, je suis partie dans le génie mécanique, parce que pour moi, j'allais être ingénieure. Je suis partie en alternance, fort heureusement, et finalement, je me suis rendu compte que malgré mes appétences pour les matières scientifiques, finalement, c'était pas le boulot que je voulais faire. Du coup, je suis rentrée à La Rochelle, parce que j'étais à Bordeaux. Je suis rentrée à La Rochelle et là, je me suis dit comment je vais gagner ma vie, sachant que je ne vais pas avoir de diplôme, est-ce que je vais galérer toute ma vie, comment ça va se passer? Et là, je me suis dit, ok, Morgane, il faudrait peut-être que tu montes ta structure avec tes valeurs, tu ne seras jamais déçue, ou puis ce sera ton combat, quoi. Et là, j'ai fait un service civique à Unicité qui m'a permis d'avoir les bases de l'entrepreneuriat, parce que j'ai monté un projet solidaire. Et du coup, j'étais accompagnée pour ça, j'étais payée pour ça, et là, j'ai trop kiffé mon année en fait, parce que j'ai monté un projet selon mes valeurs, je prenais tout en note, que ce soit les bases, comment faire. Bon, après, ça change hein, selon les projets, mais du coup, j'ai jamais lâché ça. Après, j'ai mille idées en tête, je remarque tous les problèmes, comment je peux les changer. C'est un peu. C'est très dur à Non, non, supporter. non, non, c'est important d'être exigeant, Morgane. Ne vous flagellez pas, c'est important.
Donc du coup, suite à ce parcours, l'entrepreneuriat s'est imposé à vous. Vous aviez besoin de travailler, comme vous nous le signifiez, en fonction de vos propres valeurs. Et ça, c'est important. Et le produit que vous avez créé, quelque part, porte ces valeurs. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Déjà, montrer que la jeunesse peut réussir. J'ai quasiment en local, c'est beaucoup plus facile de travailler en local quand on est jeune parce qu'il y a une confiance du. Je sais pas, c'est quand même une famille le local. Enfin, il y a une confiance assez, assez étrange et tant mieux finalement. Parce que j'ai déjà porté des projets en national et en général, il ne faut pas dire son âge parce que ça ne passe pas trop. Mais là, justement, c'est peut-être même un atout. Donc, déjà, ça, les valeurs de montrer la jeunesse, même la féminité, quelque part, que ça peut réussir quand même. Le local, le savoir-faire manuel, l'écologie. En général, les artisans, ils sont pas mal écolos, donc ils essayent d'être en recyclage le plus possible, d'avoir du tissu bio s'ils font de la couture, d'avoir des matières premières bio s'ils font des savons, c'est beaucoup le cas. Donc, ça se rapproche beaucoup de mes valeurs. Ok, donc on sent bien que vous vibrez pour ces valeurs-là qu'on retrouve au sein de vos box rochelaises surprise. Est-ce que le Covid, donc on l'a vu, ça a été la genèse de votre business model sur le premier confinement, puisque l'idée est née de là. Vous avez été quelqu'un de très réactif, puisque premier confinement avec la petite histoire de votre ami. Hop, vous avez l'idée de faire des box rochelaises. Alors oui, j'imagine que compte tenu de votre structure, vous n'avez pas besoin de faire appel peut-être à un prêt à la banque, de locaux ou quoi que ce soit. Vous gérez tout ça depuis chez vous ? Ouais, non, parce que du coup, vu la proximité avec les partenaires, j'essaie beaucoup de fonctionner soit en sans stock, soit en dépôt. Le dépôt m'arrange parce que comme ça, je peux faire des petites photos, je peux poster sur Instagram un peu toute la journée. Mais du coup, c'est pratique parce que je suis tous les 4 matins chez eux à aller chercher des produits et ça ne me dérange pas. Donc du coup, je n'ai pas le stock à gérer et je n'ai pas besoin d'acheter en avance. Je gère ça depuis chez moi, oui, parce que pour monter ma structure, du coup, j'ai rendu mon appartement et je n'ai pas la possibilité de louer des locaux. Donc je gère ça depuis chez mes parents, même où c'est grand, donc j'ai une pièce destinée à ça. Et c'est facile en fait, parce qu'en local, moi j'ai pas mal de. Je connais pas mal de monde, donc si j'ai des rendez-vous, je peux aller chez des partenaires, dans des centres sociaux, à la mairie ou quoi que ce soit. Il y a pas de souci. Alors une fois de plus, on voit l'importance du réseau. Alors vous êtes native rochelaise, vous connaissez du monde et ça vous a ouvert des portes. Vous n'êtes peut-être pas native rochelaise. Non, je suis née à Caen, mais ça fait 10 ans que je suis à La Rochelle. Mais effectivement, le réseau, mais c'est un truc de malade. Enfin, faut garder, faut avoir des bonnes relations avec les gens. Bon après, sauf si extrême, cas extrême, mais c'est vrai que c'est extrêmement important. Il faut se rappeler des gens surtout. Même si on leur en discute pas avec eux tous les 4 matins, il faut se rappeler que ah mais oui, je connais un tel, j'ai discuté avec lui il y a même 3 ans, c'est pas grave. En général, en un mail, il demande comment ça va, il répond assez vite. Bon, mais c'est un bel exemple que vous nous donnez là. Quel serait le conseil que vous donneriez à nos jeunes ? Je vous rappelle que l'objectif de cette conférence aujourd'hui, c'était de vous prouver à tous que dans cette morosité ambiante qui nous englue depuis maintenant plus d'un an, il y a de belles choses qui se passent, il y a des gens qui créent, qui se réinventent dans la création, qui trouvent des business models directement de par la Covid. Quel serait le message que vous leur porteriez, Morgane, à ces jeunes qui ont pour certains à peu près votre âge, hein ? suivre son instinct, parce que si on a une idée, c'est bien qu'on a vu un problème, c'est bien qu'il y a des gens qui cherchent à résoudre ce problème. Donc suivre son instinct, je dirais, quand même réfléchir à la situation actuelle, parce que bon, on va peut-être pas aller acheter un local et faire un prix de je sais pas combien si effectivement les magasins sont fermés en ce moment. Donc réfléchir quand même à ce qui se passe autour de nous, mais surtout suivre son instinct. Et enfin, moi, je marche que comme ça, en vrai. Je suis mon instinct, je sais que ce qui est en ligne, ça fonctionne en ce moment, que ce qui fonctionne le mieux. Donc, ne pas avoir peur, se lancer. Avant, j'avais jamais vraiment vendu de produits avant Box Rochelle Surprise. J'avais toujours monté des projets associatifs. J'avais vraiment jamais vendu. Je savais pas trop comment ça se passait. J'ai pris plein de compétences, le site internet, comment vendre, des trucs comme ça. Et il faut pas avoir peur, en fait, parce que Il y a tout le monde qui sait faire ça. Quand on cherche vraiment sur Internet, quoi que ce soit, tu as des conseils de tout le monde et tout le monde est prêt à t'aider. Donc ça, c'est assez cool. Alors, ne pas avoir peur, ne pas hésiter à se lancer. Comment voyez-vous le développement dans les mois qui viennent des box rochelaises surprises ? Avez-vous
nouveaux projets, quelles sont vos ambitions dans les mois à venir? Là, je suis en train de faire refaire mon site internet. Donc, je suis en train de mettre assez de budget là-dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment de se partir dans la com, de devenir une sorte de Amazon local, de qu'on soit la référence pour les touristes et même pour les locaux en termes de cadeaux, en termes de déco, en termes de pas mal de choses. C'est vraiment l'objectif. Après, pourquoi pas développer ce box Rochelle Surprise en box Bordelais Surprise ou en box Nantais Surprise, je ne sais pas encore. Mais pourquoi pas, l'idée, c'est vraiment développer dans d'autres villes. Ben écoutez, c'est un très très beau message d'espoir que vous donnez. Vous êtes toute jeune, vous êtes ambitieuse de devenir le Amazon Rochelais. C'est, il y a une Jeff Bezos qui sommeille dans cette jeune Morganello. Merci beaucoup de votre intervention et du temps que vous nous avez accordé. Je remercie chaleureusement tous nos témoins qui sont venus, Maxime Durand, Jens Helm, Morgane Bottivo et Morganello qui ont participé. Merci beaucoup également à Stéphane pour la technique, sans qui je n'aurais pas pu réaliser cette conférence, visioconférence. Et merci également à Anthony. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour un prochain événement Tous Entrepreneurs. Au revoir.